now. Let's order him. And she, in other words, let's bring it before God. The moment she got specific, within a year, she got married. What happened? A quartet came to the church, an American quartet. The three of the men were single, but this tall, slender man, who was a teacher in America, was the only single man. And all the young girls flocked to him. Yet, that young man was attracted, not to the young girls, but was attracted to that 30-year-old spinster. And he ended up marrying her and moved her to America. See, friend, I believe we need to be specific in our prayers. Are you specific, or do you just pray general prayers? Bless me, have mercy, help me, heal me, but you don't tell God specifically what you want. So here's what you need to do. Get a list out and write down your prayer request and be specific, as detailed as you possibly can make it. And then pray to God. Use your faith on that specific request. One of the most powerful yet neglected secrets to getting your prayers. Why don't you like English? Quand aimez l'anglais, là, vous fuyez seulement. Vous sautez par les fenêtres. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis au village. Voilà. La grand-mère, elle a mis la télé là, elle a mis le volume jusqu'à. Je vais bien. On va parler de la solitude aujourd'hui, ok? Et des idées que le Seigneur m'a données dans la nuit. Je vais les partager avec vous. Monsieur, tu viens chanter dans le direct de qui? En plus, il est blanc. Tu m'as vu en rêve en train de te conseiller. Non, monsieur, attends, non, c'est moi qui parle. Tu étais ici, tu ne chantais pas. Maintenant qu'elle commence au direct, c'est quoi toi? Mais non, je ne veux pas me faire ça tout le temps, toi. Mais monsieur le coq, c'est quoi et toi? Hop! Il est content. Ah, il se m'assied. Ça veut dire qu'il va bien chanter. En tout cas, on ne le gère pas. Je vous assure, j'ai fait 20 minutes ici. Le coq, il n'a même pas bronché. Dès que je mets le direct, il commence à pavader. Bon, je ne t'écoute plus le coq. Donc, je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je vais parler. Que les paroles que je vais dire... Que les paroles que je vais dire vous édifient, que ça vous fortifie, que ça vous donne la direction. Parce que c'est ça que beaucoup d'entre nous, on cherche la direction, on cherche la sagesse. La Bible dit, par-dessus tout, tout ce que tu cherches à acquérir, cherche la sagesse. Et on va te manger aujourd'hui. Est-ce que c'est qu'on peut même le tuer aujourd'hui, là on le mange?
Vous savez, beaucoup d'entre nous, hein, nous sommes dans une ère où les gens sont en train de s'éveiller sur les réseaux sociaux. Et TikTok est en train de participer énormément, TikTok et Facebook. Ces deux réseaux sociaux participent énormément à l'expansion, à la croissance. Voilà. À la croissance de notre génération. Et voilà là-bas. Il est pêché en haut là-bas. Donc du coup, peut-être même ta mère est morte sans connaître certaines choses. Vous le voyez. Mais toi, tu les connais en fait parce que tu as commencé à chercher. TikTok nous aide à faire nos thérapies. TikTok nous aide à apprendre les choses. Ça nous aide à gagner de l'argent. Ça nous aide à faire tellement de choses. Et je voudrais que vous vous rendiez compte. Il y a cette fille-là qu'on appelle Pinky Doll, par exemple. Je suis sûr que tout le monde la connaît. Vous l'avez au moins vu sur TikTok. Si tu es sur TikTok, c'est que tu l'as vu. C'est une jeune femme qui était inconnue il y a de cela 2 mois. Elle était dans son appartement. Elle avait beaucoup d'argent déjà. Hein. J'ai un peu regardé ses posts. Elle a une maison qu'elle a achetée à 1 million de dollars canadiens. En tout cas, c'est pas n'importe. C'est pas peu quand même. C'est pas peu d'argent. Et en l'espace de quelques jours, elle est devenue virale partout. Et peut-être sa maman était pauvre. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle ici là. Allô? Allô? Fais sur le 693, ce numéro WhatsApp sur lequel on parle. Le nom c'est Jocelyne, ok? Oui. À tout à l'heure. Affaire agent, affaire très sérieuse. J'écris le nom de quoi? Bonjour Jojo. Ça te rappelle ton village? Je suis au village. Oui. J'ai bien envie de vous montrer un peu plus. Donc, il y a la verdure partout. Dans la concession du papa ici, là. Quand tu arrives, il a toujours un bananier qui a fleuri. Enfin, il y a un régime de bananes qui est prêt déjà. Et il y a toujours des animaux qu'on peut tuer dans la cour, là, pour que tu manges. Il y a les arachides. Il m'a dit qu'il a récolté les arachides, le maïs. Donc, j'ai fait une vidéo que je vais poster tout à l'heure, là. T'es en train de manger. Lorette a fait un cap, a fait très sérieux. Il ne blague pas, mon cap. Ok. Donc, je vous disais, vous allez vous rendre compte que les choses sont en train de changer. Peut-être ta maman était pauvre, mais toi, tu vois que les choses que tu connais maintenant, les gens de ta famille ne connaissent même pas. Bonjour, King Lo. Les choses que tu connais, les gens de ta famille ne connaissent pas. Il y a les moyens de se faire de l'argent que tu connais. Tu as des rêves que tu as émis, genre, je veux devenir millionnaire en dollars. Alors que tu as grandi à Badjoun. Moi, j'ai grandi à Tungan. Je dis toujours que le jour où Oprah Winfrey va me recevoir, je lui dirai, I'm coming from a little town in Cameroon called Bafoussam. And she will be like, how do you pronounce it? Is it Bafoussam? I'm like, yeah. And then I will say Tungang. And she'll be like, I can't pronounce that one. OK. C'était la pause anglaise là-bas. Vous avez des rêves qui sont en train de grandir à l'intérieur de vous. Like, you have big dreams. Humongous dreams. Gigantic dreams. Vous avez des rêves qui sont énormes. Ceux qui sont tous sur ma page, vous se plaignez que ça ne donne pas, ça ne donne pas. Nous sommes dans l'ère où les gens se sortent eux-mêmes de leur pétrin. Lavage au sel, là. Ta mère a grandi, elle ne connaissait pas le lavage au sel, non.
Toi, tu connais, non? Tu as déjà commencé jusqu'à ta vie et en train de commencer à donner, non? Je veux que vous compreniez que les temps sont en train de changer. Maintenant, les instructions que je vais vous donner dans cette vidéo seront très importantes pour vous comprendre. Maman, pardon, ferme la porte. Didier? Voilà, merci. Mais pas des gens voient ta télé, non? Je demande que tu fermes parce que le volume est beaucoup. Hé, la mère. Je ne vais pas dedans. Non, je croyais que tu voulais voir ta télé, non? Non. Merci. Merci pour le compliment. Comment payer sa dîme? J'ai des vidéos sur comment payer sa dîme. Je ne vais pas parler de la dîme aujourd'hui. Je sais que TikTok, vous aimez bien faire sortir les gens de l'autre. Quand moi, ils viennent me mettre pour parler, c'est ce que j'ai commencé à dire que j'ai fini de dire. J'ai suivi, non? Donc, va dans mes vidéos. Je vais même chercher encore 2-3 vidéos sur la dîme. Je vais poster ça aujourd'hui. Donc, il y a des rêves que vous avez émis. Et ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Quand vous avez commencé à rêver, ça, c'est la première chose que vous avez fait qui est différente de votre famille. Parce que dans votre famille, on ne rêvait pas. Ta mère, ta maman Ticone, on va dire, parfois quand tu restes à côté d'elle, elle parle. En fait, tu ne peux pas rester trop longtemps à côté de ta maman Ticone. Parce qu'elle va te dire que, ah, comment tu as trop les longs yeux. Hein, tu cherches trop, tu vises trop grand. Hein, Et alors que toi, même comme tu es sorti de son ventre là, hein, t'as pas là, tu vois que la Range Rover, tu dis que la Range Rover va venir à Tungan. C'est ça que toi tu vois. Maintenant, il y a un contraste. Vous vous trouvez dans une situation qui est très délicate. Même si tu es parti en Europe, la fessie doit sortir de ton corps. Si ça ne sort pas de ton corps, le pays va te trouver là-bas en Europe et ce sera dans ton corps. Beaucoup d'entre vous, quand vous avez grandi, vous vouliez faire plaisir à la famille. Vous vous êtes mariés. Beaucoup de personnes ici sont divorcées. C'est pour ça que je conseille toujours, si quelqu'un est marié et elle sait qu'elle ne veut pas devenir riche, qu'elle ne m'écoute pas. Si tu sais que ton mari, là, que tu l'aimes tellement que tu ne veux pas le quitter pour devenir riche, reste avec lui, ne regarde pas mes vidéos. Parce que je vais te faire te rendre compte que vous pouvez devenir milliardaire. Mais le processus pour devenir milliardaire, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir. On va peut-être dire à quelqu'un que quitte ton boulot, deviens TikToker. Hé, hey, TikTok c'est quoi? Hein, TikTok c'est quoi? Deviens YouTubeuse. Hein, YouTubeuse c'est quoi? Marie Nadine, merci. Donc, vous avez une bataille mentale que vous êtes en train de combattre. Et je suis là pour vous rappeler ce que tu as vu à l'intérieur de toi. Mon premier rêve que je fais, que je peux devenir public speaker, motivational speaker, c'était en 2012. Je venais de quitter le père de ma fille. En fait, c'est lui qui m'avait quitté ou c'est moi qui l'avais quitté. En tout cas, on s'était quitté. Oh Minga. Voilà, et à Chakabou. Nganga. En tout cas, tu vas retirer, tu fais les achats, non, papa. Gonga, je suis là, ne te dérange pas. C'est bien comme je suis mes instructions. Je vais te donner le jus de 500. Elle connaît que c'est fait bien la gronder. Et tchala. Ok, et tchala, non, va déjà t'apprêter.
Oui, ça a été reçu. Quelqu'un m'a fait un dépôt de 400 000 francs sur le 693, là. Il faut vérifier ça. Non, on revient dans le direct. Merci de patienter avec moi. La mère, je dois gérer plein de choses. Si elle ne fait pas comme ça, là. Je disais que mon premier rêve, je l'ai eu quand j'avais... c'était en 2012. Je venais me séparer du père de ma fille. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Quand vous traversez une période où votre visage est un genja, checkez les gens qui sont à côté de vous. J'ai nettoyé beaucoup de personnes à côté de moi. Vous voyez comment ma peau est devenue jaune là, non? Je ne mets pas le jansang. Pourtant, j'ai encore bruni. Je dors maintenant jusqu'à... Je pars au bord de l'eau, je reste. J'écoute ce que mon intérieur me dit. On va parler de ça dans ce direct-là. Ok. Donc, en 2012, j'ai rencontré... J'étais à Birmingham, j'avais ma copine. Elle fouillait toujours les trucs. Elle dit que j'ai une dame qui me parle du coaching. J'ai dit que le coaching, c'est quoi? Ça fait 10 ans, 11 ans, pardon. Que le coaching vient, j'ai réservé ta place. Parce qu'à Birmingham, à l'époque, ils faisaient des week-ends de coaching gratuits. Donc, vous veniez pour 2 jours. Et ils vous parlaient, vous présentaient le coaching. Et après, maintenant, ils espéraient avoir des gens qui vont payer 10 000 pounds pour un programme de coaching. Donc, parfois, ils te prenaient en finance. C'est-à-dire, tu prenais le crédit bancaire de 10 000 pounds. Et puis, eux, ils te coachaient. Et quand ils te coachaient, maintenant, tu vas arriver à leur niveau. Ils te montrent comment faire pour devenir comme eux. Je me rappelle clairement de cette femme-ci. C'était une blanche. Elle avait des talons rouges. Elle avait une robe blanche. Elle avait un rouge à lèvres rouge. Elle avait des cheveux tellement... Ses cheveux étaient tellement noirs, purs. Et elle parlait avec tellement de l'aisance. En fait, elle respirait l'aisance et la richesse. Et juste, si on me dit que la femme était pauvre, je ne peux pas croire. Quand elle est entrée, je l'ai regardée comme ça là. J'ai dit, I want to be like that. Quelque chose en moi m'a dit que... Je rappelle qu'à l'époque, en 2012, je ne connaissais pas parler l'anglais. Je n'avais pas de compétences, je n'avais pas fini l'école, je n'avais rien, aucune compétence que quelqu'un pouvait venir me dire que je te paye pour que tu fasses ça pour moi. Mais c'est le jour-là qu'un rêve s'est déposé dans moi. Oh, j'ai traversé les dix années qui ont suivi, c'était du roller coaster, up and down, up and down. Maintenant, ce que j'ai remarqué pendant ces années et qui m'a ralenti, durant tout ce temps-là, Dieu m'appelait à être seul. Dieu m'appelait beaucoup à être seul. Je suis à Badjoun. Je suis à Badjoun. Je suis à quoi? Vous connaissez quoi? Non. J'ai parlé de quoi dans ma vidéo l'autre jour. J'avais de la peine à rester seul. Au départ, je voulais avoir un copain riche. Ce qui fait que le premier venu. Et quand je regarde la relation maintenant, je me rends compte que ses insécurités et mes insécurités s'étaient mélangées. C'est pour ça qu'on avait trouvé, we found a nest, we built a nest together. On a construit un nid ensemble. Ça s'est terminé en désastre, bien sûr. Et quand je finis la relation, je me dis, maintenant il faut que je me concentre. J'ai encore repris le coaching, j'ai repris. J'ai commencé à faire mes business, les Airbnb que je faisais. Après ça, je tombe encore amoureuse de quelqu'un. Bien. Et je me rappelle que quand il tombe amoureuse, c'est comme si... C'est pour ça que je comprends pourquoi on dit que tomber. Vraiment, c'est comme si tu es ton cheval, tu galopes. Tu as décroché la lune. Après, tu tombes. Ouf, oh là là. I just fell off my horse. Et quand tu tombes, tout se bascule dans ta tête. Tu penses que c'est l'amour, non? Je ne changerai pas le sujet de mon direct. Donc, si tu viens à mon direct, ça ne t'intéresse pas. Je te prie de partir, s'il te plaît. Merci. Et quand je tombe de mon cheval comme ça, je suis là. Oh, on va construire une maison ensemble. On va avoir de beaux bébés. Après, je me rends compte que... Parce que les choisis ont un bon cœur. Le choisi, hein. Je mettrai ça dans une de mes vidéos. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Juste une parenthèse. Les choisis, ce sont les gens qui sont très vrais. Chosen people are true,
you know, you are too truthful. On est trop vrai. Tu ne connais pas prétendre. Tu aimes un homme, tu l'aimes les pieds, la tête, les orteils, les cheveux. Tout. Tu vois le bien de lui. Il est même couché à la maison. Sur le canapé, il regarde la télé tous les jours. Tu fais tout, tu t'occupes de la maison. Tu dis non, j'ai espoir, il cherche le boulot. Alors que tu sais qu'il est en train de jouer, il est sur Netflix tous les jours. Mmh? Tu as espoir. C'est comme si le choisi est tellement puissant qu'il peut s'envoûter lui-même. Donc tu peux regarder un homme comme ça, là, tu t'envoûtes, tu deviens amoureuse de lui. Et quand c'est comme ça, les gens te parlent, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais le jour où tu descends, hein, tu es comme ça, tu dis que yeah, qu'est-ce qui m'avait pris? Qu'est-ce qui m'avait pris? Tu as mis la chair de poule que yeah. Son chocolat n'était même pas bien. Donc, plus tu avances dans le spirituel. Hmm? Attendez, décroche le téléphone, cela. Hein. Allô? Bonjour, madame. Nous avons la chance que nous avons, madame. Quel numéro c'est que Ngong va envoyer au père là? Pardon? Quel argent? Non, Ngong est en train de m'envoyer ça, t'inquiète pas, va lui donner ça, va donner ça et met dans la caisse, ok? Merci, tout à l'heure. Moi, affaire argent, j'arrête d'abord ce que je fais pour gérer mon argent, ok? Voilà. Continuons l'histoire qui était très intéressante. Donc, plus tu évolues spirituellement, hein, à un moment, tu auras l'impression qu'on ne te voit plus. Tu auras l'impression que les hommes ne te voient plus. Dieu est en train de te protéger. Non, papa, c'est branché sur le power bank. Tu as compris? Ce n'est pas branché sur le... Je pense quand même que la puissance du power bank ne peut même faire du mal. C'est branché sur le power bank. Tu as compris? Merci beaucoup. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on m'avait montré aussi. Quand le téléphone est branché, tu touches ça, ça gâte ta vibration. Ça, c'est vrai. Le voltage qui est là n'est pas bon. C'est le power bank. Dis-moi un peu si c'est dangereux aussi avec le power bank. Anyway, continuons. Merci beaucoup, HK. Oh, tu es gentil, tu es bon en plus. Merci, HK. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? À un moment, tu vas évoluer et tu vas te rendre compte que depuis 2 ans, je suis seule. Mais la différence, c'est que depuis que tu es seule, tu ne paniques plus. Tu commences à devenir heureuse un peu plus. Hey! Mais le genre de bonheur, c'est que je le ressens. C'est souvent l'homme qui me donnait ça. Tu dis que Dieu, comment je suis heureuse comme ça? Dieu est en train de te préparer. Aïe. Attendez, mes deux mains sont occupées. J'allais danser un peu avec mes mains là. Avant, quand tu restais, on s'est dans la journée. Je veux un homme. Pourquoi un homme ne m'appelle pas? Pourquoi mes dragueurs? Je veux un homme. Maintenant, tu peux rester parfois toute une journée. Tu n'es pas anormal, mamie. Tu me suis. Tu n'es pas anormal, oh. Oh, 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 oh. Oh, you are. Hein? Hein? Écoute, quand tu étais encore au début de ton éveil, quand tu étais au début de ton éveil, le genre d'homme que tu attirais, c'était les broken guys. C'était les hommes qui étaient broken. Le genre d'homme qui était, il est au téléphone avec toi 3 heures par jour. Pour toi, c'était ça la preuve d'amour. Il est au téléphone jusqu'à 3 heures. Finalement, le lendemain au boulot, tes yeux sont rouges. Il est au téléphone avec toi jusqu'à 3 heures parce qu'il ne travaille même pas. Non, tu sais, j'ai une vision d'ouvrir. Avant, moi, je sortais avec les gens à cause de leur vision. Ah, Jocelyne. Aïe. Ah. Ah.
Bonjour, Suzy. Et le jardin que tu as tiré à cette époque-là, c'était les gens qui venaient penser immédiatement tes plaies. Donc, c'est un peu le genre. Tu faisais des caprices, il acceptait. Tu faisais ça, il se plie à toi parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Il savait ce qu'il cherchait. Depuis un moment que tu n'as personne, tu es en train de t'équilibrer. Tu veux manger, tu peux au restaurant, tu payes un truc bien cher. Tu manges, après tu pars à la toilette, ça sort. Ce n'est pas un gars qui t'a acheté le poisson brisé de 12 000. C'est toi-même qui as acheté ton poisson brisé de 12 000, tu as mangé. Tu as acheté tes gambas de 15 000, tu as mangé, tu as pris le jus, tu as mis au-dessus. Tu as roté que... oui. Excusez-moi, mais bon, j'aime parler dans des termes très, très... Te voilà. Tu as maintenant commencé à construire ta maison. Tu avais trois relations, tu voulais acheter les terrains. Parfois, tu as acheté le terrain avec le gars. Et en fait, il y avait des trucs que tu n'arrivais pas à faire seul parce que tu disais que j'ai besoin de l'homme pour faire. J'ai besoin de l'homme, I need a man. I need a man. Je fais comme le bébé qui veut que sa mère le porte. Le bébé assis au sol, il voit sa mère passer, il fait nia. C'est comme ça que tu étais. Et que... non. Maintenant, ta mère passe sur la gueule. Tu dis, hey, mommy. Tu continues à jouer, toi. De temps en temps, un gars fait un peu comme s'il veut te draguer. Tu ne cours plus derrière lui. Tu n'es plus désespéré. Tu n'as pas pu chez lui préparer après le premier jour que vous rencontrez. Tu cours chez lui. Je t'ai apporté la nourriture. Je peux tellement bien parler parce que j'ai fait ça. Hein? J'ai fait ça. Hein? Oui, tu fais quoi? Tu avais prévu de faire quelque chose le soir là, de 22h à minuit. Tu vas aller au téléphone. Non, je n'ai rien à faire. Parlons, non? Parlons, non? Hein? Quand tu es au téléphone, tu dis que hey, j'ai pas fini mon devoir. Mon boss va me compter demain. Hein? Oui, souvent, tes crimes me répondent là. Ta main pèse. Tu vois, ça ne... ça ne, you know, he doesn't trigger your emotions anymore. Le monsieur là ne pique plus tes émotions. Tu ne succombes plus à la flatterie. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une belle fille comme toi. Depuis que je suis née. Non, 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 non. Il vient comment dire que tu es belle. Il te dit trop de belle, belle, belle. Tu dis non, arrête, arrête. Stop it. Stop. 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 Vraiment, Chantal, vous ne vous dites rien d'intéressant, mais vous êtes là. Maëlys, oui, le choisi est tellement puissant qu'il peut s'envoûter lui-même et être amoureux de quelqu'un. Oui, je prends ça sur moi, je sais ce que je dis, oui. Je veux d'abord me marier avant d'acheter le terrain. Tu rencontres un gars. Bébé, j'ai économisé 8000 euros, je veux qu'on achète le terrain. Yeah, yeah, la femme, c'est là. Nous voilà. Nous voilà. Tu as économisé ton argent pour acheter le terrain. Une femme. Tu rencontres l'homme. Il n'a même pas honte. Il prend ça, il m'aime à son nom. Oh, applaudissez. Attendez, je vais déposer le téléphone, il va applaudir. Attendez. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Oh! Vous êtes sorti, vous êtes graduate de l'école de la toxicité. Hey! La bêtise! Merde! Yay! Yeah. Ado, pardon, je sais que les hommes ne vont pas parler aujourd'hui. Je suis au village, mamie. Non, c'est Nam. Tu dis que ça ne t'a jamais traversé l'esprit, mais je connais des femmes qui l'ont fait. Oui. 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 Non, c'est mon mari. C'est le père de mes enfants.
Le dépôt de sperme, même l'enfant de 12 ans peut faire ça. Vous savez ça, non? Hein? Tu sais que le don de sperme, même l'enfant de 12 ans peut faire, non? C'est le père de mes enfants. Comme si c'est un exploit. C'est le père de mes enfants quand même, non? Il fallait pas, tu vois l'enfant de 12 ans, il fait ça, tu vois. Il allait déposer. Pourquoi son acte est mal pris? Elle a trouvé un malhonnête, c'est tout. Bib, Esta. Et les hommes ont commencé à parler. Les hommes de TikTok, pardon. Voilà, les hommes ont commencé. Monsieur Marongol dit, il y a les femmes qui traitent aussi les hommes. Ouais, bonne journée Sandra. Arrête comme ça, pardon, ça fait mal au cœur. Ouais, bébé, je veux qu'on se marie. J'ai déjà prévu l'argent de ma dot, ne te dérange pas. Il dit ok. Il part au village. Hein? Avant d'entrer dans la case, il faut faroter. Il te dit que donne-moi encore, augmente l'argent pour faroter. Je parle mes choses, ça m'amuse. Maëlle, tu t'es envoûtée seule, tu ne savais pas. Tu retires, tu donnes. Après, tu dis qu'il faut faroter mon grand-père là. Oui, tu vois ma tante là, non. Elle va demander plus d'argent que tout le monde. Tu sens encore l'argent de ta poche, tu donnes. Ah. Tu vois comment il entre, il gonfle le dos comme ça là. Il fait. C'est comme une baleine qui est en train de rejeter l'eau. Ah, yes, Seigneur. Ngoni, tu sais, le truc avec moi, c'est que moi, je n'ai pas moi honte de raconter mes histoires. Et les jours, je me mets ici et parle bien de mon histoire. Bien même. Donc, peut-être que tu crois que tu vas venir me dire que tu as été victime. Je raconte tellement bien mes histoires aux gens ici parce que c'est les choses que j'ai vécues. Tu as compris? C'est les choses que j'ai vécues. C'est les choses que j'ai vécues. Aïe. Il arrive, il fait. Il fait comme le buffle. Tu es à côté de lui comme ça, là, tu dis dans ta tête que eh, Seigneur, voilà mon agent qui est en train de crâner avec. Oh. Et tu sais, les gens qui prennent ses dos savent que ce n'est pas lui. On sait que c'est toi qui as donné. J'ai mangé le maïs le matin, ça entrait dans ma danse. Les gens. Tu vois, la grand-mère m'a donné le maïs. Le gaffe est calé dans ma dame. Tu es à côté de lui comme ça là. Et quand il fait tout ça, le jour où tu le quittes. Bonjour. Quand il fait comme ça là, le jour où tu le quittes, ta famille dit que hey, on savait l'affaire là. Hein? Il mangeait trop ton argent. Tu regardes comme ça, tu dis que yeah. Gaffe, non. Il y avait encore mangé. Il y a le gaffe avec la prune là-bas. Tu restes comme ça, tu dis donc ma famille voyait. Donc les gens la comprennent. Ils connaissaient. Ils te disent que oui, on savait. Donc tu vas voir que quand tu. Il faut faire. J'aime beaucoup faire l'auto-analyse. Parfois, je me dis, mal que j'ai fait comment pour tomber même dedans et... J'ai fait comment? Oui, ce genre d'homme montre clairement le oui. Mais tu sais, parfois, il y a des motifs qui poussent les femmes. Parfois, elles disent, ah, j'ai dépassé 35 ans. J'ai dépassé 45 ans. Ah, j'ai aussi fait comment? Ah, j'ai déjà, il faut que...
Parfois, tu te mets dans ces relations-là pour plaire aux gens, au pays. Hmm? Mais tu te rends compte après que les gens à qui tu voulais même plaire, là, ils s'en foutaient de toi. Hmm? Tu veux la liste? Et quand tu as la liste, bois. Quel pardon? Et aussi, pardon, papa. Hmm? Go fa. Et trois boucs, deux chèvres. Ok, puis après, signe là. Attends. Je regarde dans la... Il y a la liste ici, là, je cherche. Bon, il y a une poule. Oui, trois boucs. Et 14 coques. Mm-hmm. Et puis les deux chèvres, comme on a dit là. Bon, pour la chaise là, on paye la chaise. Et oui, tu arrives, tu m'appelles si tu as des soucis par rapport à ça. C'est deux personnes. On t'a touché. On va couronner deux personnes. Donc, il faut deux chaises par personne. Oui. Ok, parlons quatre chaises. D'accord, d'accord. Yola, bon, pas de soucis. Tchao. Pour demain. On va cacher. Tu vas réfléchir. C'est pour deux personnes, donc deux bidons. Oui. Amino. Ok. Je suis en train de travailler le père. Gage, ouais. Oh, je n'en. Pardon, Paté. Je suis en train de faire le direct, donc. Ok. Oh yo, tu achètes tout ça maintenant, le reste. Bon, attends. Je vais lui donner ça à elle. Oui, et tu rentres avec le reste, ça va ranger. Voilà, tu achètes ça aussi. Mm-hmm. Bon, je continue mon direct. Le père est parti. Et ta canne. Vous avez posté une vidéo. Arrête de profaner notre tenue traditionnelle. Je ne vais même pas te répondre. Tu as suivi. Je ne vais même pas te répondre. Quand vous voulez faire les intéressants, ne venez pas sur mon direct, pardon. Je crois que c'était interdit. La personne qui m'a vendu, ça ne m'aurait pas vendu. Donc, si vous voulez faire l'intéressante, ce n'est pas ici. Absolument pas. C'était avec plaisir. J'ai m'acheté deux le jour, là, madame. J'ai deux. J'ai le long et le court. Donc, si ça te fait mal, il faut que tu ailles te pendre. Tu as compris? Peut-être parfois, là, vous ne savez même pas ce qui vous venez faire vos choses, là. J'ai le long et le court. Donc, si ça te fait mal, il faut que tu ailles te pendre. Tu as compris? Peut-être parfois, là, vous ne savez même pas ce qui vous venez faire vos choses, là. L'undop, je donne l'undop. L'undop, c'est là. Même les Burkinabés, j'ai des Burkinabés que je leur donne le docteur porté. Vous aimez trop croire que vos traditions sont les traditions supérieures. Tout africain, pour moi, toute personne qui est africaine, si tu es africain, ça veut dire que tu as droit. Je peux aller chez les Ivoiriens, je prends leur habit, je porte. Tout africain, pour moi, toute personne qui est africaine. Faites souvent vos choses là. Je prends leur habit, je porte. Ah, vous voulez perturber mon direct. Le père est d'abord venu faire sa part maintenant. Voilà. Maintenant, on peut continuer. Ok, à tout à l'heure. Vous savez,
quand les ancêtres m'ont appelé à faire ce que je fais, la première chose qu'ils m'ont montré, c'est que, d'accord, il y a trop de protocoles que les gens mettent. Les bamilekés, le chapeau, c'est là, non. J'ai un ami américain qui est venu me voir, il est au Gabon l'autre jour. J'ai pris le chapeau, c'est lui donné. Je lui ai donné. Et lui a expliqué ce que ça signifie. Je lui ai dit que si tu vois un... Si quelqu'un t'interpelle en route, il te demande, dis-lui qui t'a donné. Vous m'entendez toujours double? Non, j'ai arrêté l'autre téléphone. Normalement, je ne suis pas en double maintenant. Et en tant que reine, chaque pays où je suis partie, même que je sois allée en Côte d'Ivoire, la première fois que j'atterris en Côte d'Ivoire, ils prennent leur habit traditionnel, ils viennent me donner. Le truc, c'est que quand votre énergie est déjà là-bas, peu importe l'endroit où vous allez arriver, c'est ça qui va vous localiser. C'est dans le sang, en fait. Et le truc, c'est que vous devez comprendre, ça a un rapport avec le direct que je disais, vous devez comprendre que la partie où la Bible dit que les fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. On est en train d'arriver à une époque où le pouvoir t'est donné. Ton initiation est faite spirituellement. Et ça se confirme par les signes. Tu arrives quelque part, tu touches quelqu'un, il est guéri. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu te dire que je t'ai donné le pouvoir de guérir. Mais Dieu t'a dit. Vous suivez? Quand on m'a envoyé, on m'a dit, va libérer les choisis. Vous êtes dans les prisons. Les pouvoirs sont en train de vous toucher. Ça vous gère. Parce que ta famille t'a dit que tu dois d'abord te marier. Tu dois d'abord passer par telle chose dans tel village. Ton père doit être dans telle chose. Ton père doit être de tel endroit du village. Et ton père n'est rien de tout ça. Mais tu sens les pouvoirs en toi. Tu fais comment? Sortez de vos cages, je vous dis. Et vous verrez la confirmation. Tu vas arriver dans un autre pays, donc tu ne connais même personne là-bas. J'ai une amie, elle est à Paris. Elle me dit qu'elle est entrée dans un magasin. C'est une blanche qui vient vers elle. La blanche lui dit, elle prend une couronne, elle lui donne. Et quand elle lui donne la couronne là, le Saint-Esprit lui dit que ça c'est la couronne. Et ça ressemblait textuellement à la couronne que son arrière-grand-mère avait au pays. C'est une Gabonaise. La blanche lui dit que je ne sais pas pourquoi. C'était un magasin où elle vendait les trucs spirituels. Elle dit que je ne sais pas pourquoi, mais vous devez avoir ça. Elle prend la couronne et elle lui donne. Vos pouvoirs vont vous trouver. Ne laissez plus les gens vous dire n'importe quoi. Ça là, sur mon cou. Tu vois, quelqu'un va te voir avec ça. Il va commencer à dire que, pourquoi tu portes ça? Mamie, quand ça m'a pris, avant de chercher les courriers pour porter, je ne comprenais pas. Si je ne portais pas les courriers, je n'étais pas à l'aise. Si je ne portais pas, je ne pouvais, dès que, j'étais à Limbe la première fois que ça m'a pris. J'étais au bord de l'eau. Il y a une femme qui fabrique les bracelets à côté au marché de Kribila. De Limbe. Je suis allée la voir. Je lui ai montré moi-même comment il voulait qu'elle fasse mon truc. Je me suis assise. Elle a fini. J'ai pris. Et le premier truc que je fais, la première couronne que je fais de courrier, il y a un courrier qui sort sur le front ici là. J'ai mis ça. Quand j'ai mis ça, je me suis sentie apaisée. Parfois, tu vas porter comme ça là-bas, mais tu vas arriver, les gens, tes oncles vont commencer à dire, tu portes ça pourquoi? Tes oncles savent que la succession, c'est toi qu'on devait donner. Le successeur de l'arrière-grand-père, ça devait être toi. Mais comme tu étais encore tout petit, tu es la nièce ou le neveu de la famille, on ne peut pas te donner. Ils ont pris, non? Dans l'esprit, ils sont venus. Dans le monde de l'esprit, le grand-père est venu te donner à toi. C'est toi qui as. C'est pour ça que quand tu parles dans la famille, tout le monde s'était. Oh, rakashakaria masotarabashante. Laissez ça, laissez. Vous devez vous détacher des ondits, de vos familles, de vos entourages. Parce que ce qui est en train de se passer est trop fort. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est trop puissant. Que tu aies les papiers, que tu n'aies pas les papiers. Que tu sois d'une famille royale, que tu ne sois pas. Tu restes comme ça là la nuit, on vient, on te met sur la chaise. C'était en février, je faisais que vous parliez du couronnement, non?
que le couronnement est en train de se passer. De nombre de personnes que moi j'ai dit qu'on les a couronnées dans le rêve. Certains, c'est moi-même qui les a couronnées. Et je vais en faire deux demain. Parce qu'avant, on vous a raconté que non, il faut d'abord que... Quand on te racontait, on te faisait comprendre que tu ne peux même pas, que même dans le rêve, tu ne peux pas, on ne peut pas te couronner. Tu dors dans la nuit, on te montre que tu dois être reine, tu dois être reine. Tu te réveilles dans la journée, tu dis que, ah, j'ai fait comment? Tout le monde te bloque. J'ai une comme ça là, je devais la couronner demain normalement. Elle dit que son propre père a refusé. J'ai dit que mamie, pour l'instant, tu es encore bloqué dans la phase de ton père, non? Je ne peux pas te contredire. Donc, je vais seulement te laisser. Et beaucoup d'entre vous, vos pouvoirs dépassent. Vos pouvoirs dépassent pour tous les membres de votre famille. Vous le sentez dans vous. Quand elle parle comme ça, vos mains sont en train de vibrer. Je le sais. Les choisis sont en train de se réveiller. Il n'y a pas de critères, papa. Ce n'est pas le qui veut. Ça doit d'abord être... C'est par direction divine. Il y a une qui est venue des États-Unis. Il y a l'autre qui est ici à l'ouest même. Ce qui fait que si tu viens, si ce n'est pas censé se faire, ils vont te montrer, ils vont me montrer. Vous devez comprendre que les choses de l'esprit sont toujours en... C'est coordonné. C'est coordonné. Il n'y a pas la confusion dedans. Vous savez combien d'habits traditionnels j'ai? Et vous n'avez pas tout monté dans mes vidéos. La dernière fois, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Ils ont pris pour les baoulés, ils m'ont donné. Ça fait deux semaines j'étais en Côte d'Ivoire. Ils ont pris un habit des baoulés là. J'arrive, je sors de l'hôtel comme ça. Un monsieur me voit. Il vient, on s'est dit ma reine. Je dis que, hé, qui est? En Côte d'Ivoire, hein, quelqu'un qui ne me connaît pas. Laissez. Activez vos pouvoirs, s'il vous plaît. Activez vos pouvoirs, s'il vous plaît. Activez vos pouvoirs. Faut laisser les gens là. On parlait de la solitude, non? On parlait de la solitude. Donc, quand dans cette période, tu vas remarquer que tu aimes beaucoup être seul. Voilà, monsieur Bib, il y a des gens effectivement qui ne comprennent rien à la tradition. Parce que même dans la tradition, un peu comme l'église. Je suis à l'ouest pour. Je rentre de l'ouest dimanche. Je suis ici là pour 3 jours. Quand il vient à l'ouest, je ne consulte pas. Parce que les gens de l'ouest n'aiment pas payer. Quand tu te demandes l'argent, ils commencent à tourner en rond. Je n'aime pas. Donc, je suis ici pour 3 jours. Je suis venu me relaxer. Donc, je ferai quelques consultations à distance. Quelques sur WhatsApp. Voilà. Demain, on a des cérémonies ici à faire. Après demain, samedi, c'est juste le repos. Et puis, je dois aller à Bouddha quelque part. Je dois aller visiter certains trucs, certains sites. Donc, pour Douala, ce sera lundi, si Dieu le veut. Les choses du village, c'est un peu comme l'église. Parfois, il y a des gens qui ils aiment seulement le poste, la fonction. Que je suis tel. Donc, moi, voilà mon rôle au village. Et tu peux reconnaître parce qu'il y en a que le rôle vient sans le pouvoir. Donc il va te dire son rôle, mais tu ne sens pas le pouvoir derrière le rôle. Les vrais choisis sont ceux-là. Que tu arrives à l'église, on sent ton pouvoir. Tu ne quittes pas au village, on sent ton pouvoir. Tu ne quittes pas partout où tu vas. Dès que tu arrives comme ça, là, on sent que il y a quelque chose sur la femme-ci. Je ne peux pas entrer dans une église sans que le pasteur me parle. Je ne peux pas. Mais je ne vais pas m'asseoir derrière à l'entrée. Le Jacques, s'il fait que je ne sors jamais pas, il va tout me localiser que toi là-bas derrière. C'est pour ça que j'ai arrêté de partir aux églises. Oh, Seigneur. Ça m'amusait beaucoup.
Parfois, quand j'avais rien à faire, j'entre dans une église comme ça, je m'assois. Je regarde le pasteur comme ça. Je regarde. Je vous assure, il ne va pas finir le service là sans prophétiser sur moi. Donc ça, ça fait partie des pouvoirs que vous avez. Voilà. Florence, quand tu fais un commentaire plus de 4 fois sur mon direct, il te bloque. Tu as compris? Ok. Mon WhatsApp est dans ma bio. Voilà, merci. Merci Cindy. My WhatsApp is in my bio. Il dit que la joie est bien. Vraiment, vous-même là. Vous êtes terrible. Il faut écrire sur WhatsApp, la secrétaire va te répondre. C'est vrai que quand vous écrivez aussi, vous avez beaucoup de trucs que vous demandez. Des trucs qu'ils ont parlé qui n'ont pas de sens. Bon. Je reviens sur la solitude. Hein. Tout ce que tu as demandé, j'ai parlé de mon histoire en 2012, la dame que j'avais rencontrée. J'ai commencé mon cheminement et les périodes où j'étais le plus high spirituellement et physiquement et financièrement, c'est quand j'étais seule. Oui, la tâche, c'est vrai. You will locate you and greet you. Il dit qu'il y a des dons sur toi, ça c'est vrai. À chaque fois que je me mettais dans une relation, c'est parce que je n'avais pas foi en moi. Je pensais que j'avais besoin de l'aide de l'autre personne. Et c'est plus tard que je me rends compte que l'autre personne aussi comptait sur moi. Vous voyez un peu le contraste, non? Donc tu comptes sur quelqu'un, ça. Après que tu te rends compte que la personne elle-même comptait sur toi. Et je disais que les choisis sont des personnes trop sincères, trop vraies. Donc tu rencontres quelqu'un, tu lui montres tout ce que tu as comme dans ton compte bancaire, erreur à ne pas faire. Tu rencontres quelqu'un. Tu lui parles de tous tes projets, voilà, je vais faire ça, après dans 2 ans, je vais aller aux États-Unis, après je vais aller, il voit qu'elle aura la nationalité, elle a gagné la green card, elle aura bientôt, il s'accroche sur toi juste pour ça. Suzy, le roi Feuillot va bien, il va bien. Vous voyez un peu, non? Et quand tu ouvres comme ça, ce n'est pas tout le monde qui peut... Parce que les choisir, hein, c'est comme si intuitivement, depuis que vous êtes jeune, vous savez que vous allez réussir. Et quand vous parlez de votre futur, c'est toujours très positif. Contrairement à la majorité des personnes autour de vous, quand vous parlez de votre futur, c'est très, très, très glorieux. Genre... ouais, je suis peut-être à Bafoussam pour le moment, mais voilà, j'ai eu ma green card, dans 1 an, je pars, alors je vais arriver là-bas, je vais faire médecine. Donc quand tu racontes ton futur, la personne s'y voit que, gars, il faut qu'elle m'accroche qu'à la fissure. Que ça, c'est mon futur, ça, c'est mon avenir. Mince! Après, tu lui dis que non, je compte être premier ministre, je vais être président de la République dans 20 ans. Il dit que, ah! This is the woman for me. C'est comme ça qu'il devient. Il tombe derrière toi. Since the day I met you, you are the woman for me. Donc, c'est cette sincérité-là qui fait que tu t'ouvres. Mais en tant que choisi, ce que au début, au départ, ce que tu ne comprends pas, c'est que le processus a besoin, pour que ce processus s'accomplisse et que tu deviennes ce qu'on a prophétisé sur toi. Beaucoup de choisis. Comme peut-être David, on a prophétisé sur David qui sera roi. On a prophétisé sur Joseph. Beaucoup de choisis connaissent des années en avance, ce qu'ils seront. Ils connaissent. Maintenant, c'est le processus. Parfois, ça va prendre 10 ans, parfois 15 ans. C'est le processus là que parfois, moi, quand Dieu m'a monté ma part en 2012,
Je me disais que non, mais voilà, Joseph a pris 15 ans, 13 ans, mais moi, non, Dieu, en 2 ans, c'est bon. Je ne savais pas que les 2 ans là, que je pensais, ça devait se transformer en 11 ans. Maintenant, pendant les 11 ans là, tu apprends à ne plus compter sur quelqu'un. Tu apprends à être sage avec tes projets, avec tes rêves. Tu rencontres quelqu'un, tu as mis 50 millions dans ton compte, tu fais compte. Il te demande que aide-moi avec ça là, c'est 500. Tu dis que je n'ai pas l'argent. Carre cap. Calmement. Tu es en train de faire ton visa pour partir quelque part. Monsieur Mano, je vais te bloquer, hein. Tu as compris? I go bloquer you. Bienvenue, mais je vais te bloquer. Tu arrives quelque part, tu obtiens même ton visa. C'est la veille de ton voyage que tu lui dis que tu es en train de partir. Calmement, hein. Il avait tout, il voit que tu n'as pas les kaolo. Il ne sait pas que tu as un 15 millions que tu as gardé dans un compte quelque part. Je vais impressionner la fille avec mon passeport. Je vais l'impressionner avec mon passeport Bordeaux. Hey, Seigneur. Oh là là. Il te trouve que tu es single mother. Tu as l'enfant. Tu as la chance que je sorte même avec toi. Hein. Vraiment. Hein, tu as déjà accouché 2 fois. Vraiment, je te fais une faveur. Hum? Parce qu'il guette l'argent de la CAF là qu'on donne pour tes enfants tous les mois. Maintenant, le Seigneur me disait dans la nuit que on est en train d'arriver à une autre dimension où on va se retrouver seul sans avoir... En fait, tu n'auras plus envie d'aller à côté des gens. Avant, tu tolérais. Donc, tu pouvais... Peut-être, on t'invite pour une soirée, tu pars là-bas, tu fais peut-être 2 heures de temps. Maintenant, là, hein... Tu as déjà bloqué la personne. Qu'elle envoie même l'invitation, ça n'arrive pas. Parce que tu l'as bloqué. You're not even talking to him, guy. You're not even talking to the guy. Tu ne lui parles même pas. Tu arrives quelque part, quelqu'un fait un jar, tu dis... Non, je ne veux plus, laisse. On ne te fait plus chier, on ne te fait plus chanter, on ne te fait plus... Non, tu ne chantes pas. Ta gorge est grillée. Il n'y a pas de chantage dans toi. Mano, s'il te plaît, je t'en prie, le direct, ce n'est pas pour toi, Mano. Tu as compris? Je parle de solitude. Et tu es arrivé à une étape où tu ne veux plus, parce que ton intérieur est en train d'être comblé. Tu es en train de guérir du traumatisme d'enfance. Certains parmi nous, on a grandi avec des mamans qui étaient très colériques, ce qui fait qu'on devait toujours, essayer de plaire à maman. Tu as tout essayé de faire pour... Est-ce que maman est contente? Dès que maman rentre, on regarde un peu son humeur. Oui, maman, je suis désolée. Donc, tu étais toujours là pour calmer ta mère. Tu étais comme le souffre-douleur de ta mère. Et tu as grandi avec ça. Ce qui fait que tu cherchais les hommes qui allaient toujours te menacer pour que tu les calmes. Hmm? Maintenant, c'est en train de quitter dans toi. Tu ne veux plus plaire à quelqu'un. Tu rencontres un homme qui m'a dit que, il faut que tu maigrisses. Pourquoi ton ventre est comme ça? Tu lui dis, papa, tu ne te plais pas. Hein? Pas. Pas. Tu es trop orgueilleuse. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux jamais être dans un foyer. Tu es trop orgueilleuse. Pas. Le jour où il part, ça ne te dérange pas. Donc, il part, tu ne bronches pas. Tu ne l'appelles pas. Un jour, il t'écrit. Est-ce que tu m'aimais vraiment? Non, tu lui dis non. Un de mes ex. J'ai encore, j'aime quand il souffre un peu, donc je l'ai laissé sur mes statuts. Il regarde souvent mes statuts. Il y a des moments où je suis dans des vibrations, je fais des trucs, je poste sur mon statut comme ça là. Il dit bonjour. Je fais lu et ignorer. Comment tu vas? Je voulais prendre tellement de tes nouvelles. J'écris bien. Point. Après, je dis ok, bye.
lu et ignoré. J'avais aimé le gars là et je ne savais pas que je pouvais. Je ne savais pas que le gars là pouvait m'écrire, je ne réponds pas. Guérison est importante. La guérison là, hein, c'est nécessaire. Ah, l'autre t'a dit qu'il croyait que vous étiez en couple. Hein? Dit que I'm dating my son. Je suis avec mon fils. Ah non, I'm dating myself. Je suis avec moi-même. Tu vois, il n'y a plus un truc dans mon cœur qui a besoin d'être comblé par un homme parce qu'il veut qu'il m'écrive. Il veut qu'il se lève le matin, il m'appelle. Je veux que. Non. Tu m'appelles, mais je n'aime pas le temps. Je suis tellement occupé que j'ai. I'm so sorry. Il y a quelqu'un ici là que tu as mal à côté du nombril, du côté droit. Tu es en train d'être guéri à l'instant. À côté du nombril, du côté droit de ton nombril. Touche là-bas. Tu es en train d'être guéri. Je viens guérir toute inflammation, tout serpent dans ton ventre. Je commande qu'il sorte à cet instant. Au nom de Jésus. Donc tu n'as plus de pression. Tu te lèves. C'est vers 10 heures que tu dis, ah, je n'ai même pas regardé mon WhatsApp. Alors qu'avant, à 5 heures, non, tu devais à 3 heures, tu checkais WhatsApp. 5h30, tu checkais WhatsApp. 7h30, tu checkais WhatsApp. 8h, tu checkais WhatsApp. Hmm? Maintenant, là, hein, parfois, on dit que last seen, vu hier à 18h15, et on est aujourd'hui à 14h10. Et pendant le temps où tu es seul, tu t'écoutes. Tu vois ce que tu aimes. Oh, that one. Tu achètes ce que tu aimes avec ton argent. Vous savez qu'on a passé du temps à acheter les caleçons Calvin Klein aux gens, non? Les caleçons blancs Calvin Klein. Hein? Tu as quel âge? John Kep. Hey! Manque de respect de TikTok. Oh, oh, oh. TikTok, TikTok. Tu as passé le temps à acheter les caleçons Calvin Klein, les parfums sauvages. Hein? Tu as aligné 15 parfums. Chaque fois que tu voyages, oh, c'est ce qui m'arrive d'ailleurs. Chaque fois que je voyage, 200 ml sur ma table. Souvent, je suis arrivé à l'Abidjan l'autre jour, on m'a donné tellement les parfums. Une femme est venue avec 5 parfums me donner. J'ai dit que vous m'avez mis toi aussi. 5 parfums. La même journée, l'autre a vu encore le soir avec sa part. Je porte ma ligne, je dis oui, déposer. Dans chaque pays qui est pas, je vais déposer dans mes appartements. Achète, tu regardes, ça te plaît. Hein? Tu as trop acheté les parfums au gars. Maintenant, tu achètes pour toi-même. En fait, c'est toi déjà que tu te retrouves, tu as 200 euros. Tu vas acheter quelque chose pour ton fils, pour toi et pour lui. Tu vas prendre 100 euros à acheter sa part. Le reste des 100 euros, tu te divises avec ton fils. Je sais que vous n'avez pas fait ça, non. Vous êtes des saintes ni touches, non. Hmm? Moi, j'ai fait. Je vous dis, moi, j'ai fait. Ok, non. Ok. Voilà. Vous aimez faire les saintes ni touches. Non, moi, j'ai pas fait rien. Moi, j'ai fait. Mm-hmm. Quand tu rentres, tu donnes. Il y a un avec qui je sautais comme ça, là. Hé, hey! Maman. Quand il achetait sa part, il partait caché en haut de la panderie. Je dis, attends, donc mon argent, c'est pour manger ça à la maison. On paie le loyer. Quand tu as ton argent, tu achètes tes habits, tu caches. Il dit, mais je vois un haut ici, là, que ça ressemble à un haut du fille. Et ce n'est pas ma taille, c'est pour qui? Chemise polo, rafle, René. Montre Rolex, oh, maman, tu as parlé comme si tu savais. Chaussures Boss. J'étais allé à Selfridge, j'ai acheté une chaussure Boss à quelqu'un. Un Jola, un Jamaïcain. En 2000... 16. Oui. 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 Oh, la belle vie est bien. Maintenant, te voilà. Voilà, ce sont les parfums qu'on cachait dans le coffre fort.
Seigneur. Non, j'ai vécu les choses. Je me suis envoûté, je me suis désenvoûté, je me suis encore envoûté, je me suis désenvoûté. Donc c'est comme si je saute dans la rivière, après je saute encore, après je saute encore dedans, après je saute encore. Oh. Le jour où j'ai trouvé les habits là, j'ai dit que hey, donc je suis bête. Donc c'est moi qui suis bête. Yay. Donc j'ai 1000 euros, j'achète pour toi. 700 euros, j'achète pour moi 100 euros. Je garde 200 euros qu'on va manger avec à la maison. Je suis folle. Les chaussures à Alexandre, mamie. Alexander McQueen. Oui, j'ai acheté ça. Goyo, goyo l'autre là. Le jour où vous dites que vous sortez, tu marches à côté de lui comme ça, tes cheveux sont brrr. Ton habit même, c'est l'habit de non-name. Il est bien habillé. Il est en forme. Tchao! Mais non, c'est mon mari. ma hongole, je vais te gifler. Je vais gifler tes cheveux, en fait. Tu es très doux, en fait. J'aime lire tes messages. Mais en même temps, tu m'énerves. Est-ce que la nature du choisi n'est pas d'aimer inconditionnellement? Voilà ce qu'il dit. Hein? Arrête de tourner le couteau dans la plaie. Ma grand-mère dans son deuil, elle faisait... Quand la voix finissait, elle faisait... Voilà. Tu parles ce que tu fais de moi. Son ami le croise. Il dit, prête-moi un 200 000 alors qu'il n'a rien dans la poche. Ah! Une fois, l'autre avait une... Il voulait faire le grand devant certains de ses amis qu'il venait de rencontrer. Il vient me demander de prêter l'argent. Hey, attendez. Moi-même, c'est là. J'ai fait les choses. Hey. Il me demande que... Ouais, j'ai une collaboratrice là, voilà. Elle me dit que sa mère est malade. Elle veut que je lui prête 300 000. Je prête les 300 000. Devinez ce qui se passe quand la fille rembourse. Devinez, dites-moi s'il vous plaît. Devinez. Hey, voilà, tu es comme la ménagère du film Nadja à côté de son boss, alors que c'est ton gars. Bonnie, je vais bien. Quand la fille a remboursé, il ne m'a pas dit. Maman. Et comment j'ai su? Il y avait un deal qu'il devait faire. Il n'était pas sur place. Donc, il fallait qu'il me donne le numéro de la fille pour que j'appelle la fille pour lui dire je ne sais pas quoi. Donc, je contacte la fille. Je dis que, ah tiens, en passant, c'est moi qui ai prêté l'argent qu'on t'a donné là. Donc, quand tu veux rembourser, fais-moi signe. Non. Je lui ai pas, c'est pas ça. Elle voulait encore de l'argent. Et il fallait que je fasse le dépôt sur son numéro. Donc, elle passe, il me passe le numéro. Je contacte la dame, je dis que c'est moi qui avais prêté le premier tour. Est-ce que tu as remboursé? Elle dit, j'ai déjà remboursé depuis. Il dit, hein? Oui, elle me dit que ça fait une semaine et demie. Je suis avec le gars chaque jour, il ne me dit pas. Que l'histoire, si tu racontes, c'est ma vie. Je me demande quelle est la suite. Non, Marongol, on est ici pour blague, non? Que l'autre, tu l'avais prêté 305 000. Aujourd'hui, que vous n'êtes plus ensemble, il refuse. Mamie, Andrea, oublie l'argent là. Oublie. Efface donc. Hier, je vous ai dit qu'il y a certains trucs, certains agents que vous prêtez aux gens. C'est comme si c'est le ndou. C'est la malédiction. Oublie. Forget about it. Je vous dis. Mamie, il a pris l'argent, il a mangé. Et la semaine, là, je lui avais encore guillé les dos. Je ne suis pas seule dans ma tête. Laissez-moi. Je ne suis pas seule.
Sa mère adoptive, Samira, tu as bien dit. Parce que lui et sa mère m'organisaient. Oui. Donc, on a rentré, on a bien fait le tolino. Il y a l'une d'entre vous, je ne vais nommer la personne, je ne la nommerai pas. Elle me disait que elle s'est rendue compte un jour que le gars la trompait. Quand il partait la déposer au travail, avec la voiture de la femme, bien sûr, avec cette même voiture, il partait chercher sa maîtresse. Dans ma voiture, que j'ai achetée avec mon argent, je suis en train de travailler l'argent qu'après, je vais payer le loyer dans la maison qu'on vit. Hein? Oh, Pama, tu as saoulé? C'est comme ça qu'on entend qu'une femme a tué un homme ici dehors. She killed the guy and then she killed, I don't know. She killed the hoe. Mm-hmm. Merci, Taliane. Donc, dans cette phase de ta vie, le mot non va devenir un mot habitué. Donc, tu vois, c'est un peu comme si c'est devenu, le premier mot que l'enfant apprend à dire, c'est non. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ça? Hein? L'enfant dit non, non. Tu vas devenir comme l'enfant. Dès que quelqu'un vient, dès que tu dis oui, madame, je voulais. Non. Il n'a même pas compris ce qu'il fait. Tu dis non. Ouais, je t'aime, non. Ouais, tu vois, depuis que je t'ai rencontré, est-ce que tu peux même. Ouais, j'ai besoin de 1000 euros pour. Tu sais, je crois à mon projet. J'ai seulement besoin d'une femme qui va croire en moi. Je ne suis pas ta mère, moi. Je me rappelle un jour, je suis dans une relation avec quelqu'un. Je m'égosillais, je disais que I'm not your mother. Que j'ai mes propres enfants à m'occuper d'eux. Tu n'es jamais assis, tu as dit que voyons le futur de tes enfants. C'est moi qui m'occupe du futur de mes enfants. Pourquoi je vais laisser mes enfants et veux partir m'occuper de toi? Ta mère faisait quoi? Jusqu'à dire que tu es sa grande soeur. Je sais que quand j'attrape souvent les tisas, non, je cause bien avec la tisa pour voir ce que le gars lui a raconté. Une fois j'ai attrapé une tisa, là, non, je l'ai appelée. On a bien parlé. J'ai dit que non, mamie, ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Ne te dérange pas. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Non, il m'a dit que voilà, il t'avait doté par erreur. Sa mère l'avait forcé. Maintenant, il vit avec toi seulement en attendant que tu trouves la maison. Voilà, vous n'êtes même plus ensemble. C'est toi qui force. J'ai dit, ah bon, ma chérie? Et s'il vous plaît, si un jour une fille t'appelle et dit que tu es la tisa de son gars, ne l'insulte pas. Asseyez-vous bien, vous causez. Voyez tous les détails croustillants. Sortez le pop-corn de M. Chacal. Vous mettez ça sur la table pour faire les détails croustillants. Qu'est-ce qu'il t'a dit? L'autre dit aussi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui. Mm-hmm. Les détails croustillants là. Intéressant. Oui, quand il voyageait l'autre jour, il t'a dit qu'il partait où? Ah, oui. Jusqu'à dire que votre enfant et sa nièce est... Alors! Maintenant, en tant que choisi, vous devez comprendre que toutes ces situations, vous étiez en train d'épurer les traumatismes que vous avez subis. C'est comme si on t'essorait le corps. C'est comme si on pressait ton corps. On pressait. On presse. Ça sort. Et pendant qu'on presse, tu souffres. Ça fait mal. Je sais pas, mais c'est bizarre. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui font des vidéos en anglais ici sur TikTok. Et elles montrent comment devenir une femme de luxe. Les premières questions que tu poses à un homme. Et l'une des premières choses à faire d'abord quand tu es single, c'est ta propre thérapie. D'abord ta propre thérapie. Tu dois comprendre pourquoi tu as laissé que la personne là te trompe comme ça. Parce que si tu regardes bien, c'était évident. Et souvent dans ces relations-là, quand c'est toi qui donne, qui finance un peu plus, quand tu touches un peu plus que le gars, si tu regardes bien, il y en a que... C'est quand tu donnes l'argent qu'il est content.
Bonjour Julien. Moi, je parle le langage de l'argent. Tu as compris, Julien? Ok? Bonjour, mommy boss. Tu dois d'abord voir que qu'est-ce que moi j'ai d'abord. Qu'est-ce qu'il y avait en moi qui faisait que je voulais toujours? Parce que les signes étaient là. Tu donnais l'argent. Quand tu ne donnes pas l'argent, il est triste. Il est fâché à la maison. Le jour où tu donnes l'argent, il va vouloir te faire l'amour le jour-là jusqu'à. Okay. Tu wonder que. Hey. Donc, on active le kiki du gars s'il avait l'argent. Marie Sounoun, je vais te bloquer. Tu as compris? On ne pose pas des questions dans mon direct plusieurs fois. Donc, en fait, on active ton truc là avec l'argent. C'est comme la machine rechargeable. Tu vois le bali-bali là, non? La machine que tu mets, le ballon sort là. Hein? Maman, il va même laver tes sous-vêtements. Ça, c'est vrai. Tu mets la machine, tu mets l'argent dans la machine, ça fait tididididin, tididididin, yeah, tididididin, tididididin. Quand l'argent finit, ça fait game over, game over. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Celles qui ont vécu ça vont me comprendre. Celles qui ont vécu ça vont me comprendre. Tu refuses de donner, tu te gardes rancune. Oui, pardon. Le truc, c'est que quand ton homme est content, tu connais. Oui. Oui, bonjour bébé. Ma chérie, son Orange Money là vient de recevoir l'argent. Et si tu es dans une relation avec quelqu'un comme ça, ne te leurre pas. Ne te voile pas les yeux. Ne te trompe pas. Ne te. Eh oh, ma chérie. Si tu as remarqué que c'est une machine rechargeable, cherche seulement ton pied, tu sors. Porte tes pieds. Waouh, la femme que tu as épousée est en. Yannick Fénélix, quand il voit même ta photo là, tu es le genre d'homme qui est bien. Tu vois, non, le genre d'homme bien là. Que Dieu te bénisse, que Dieu multiplie les hommes comme toi sur la terre. Regarde comment ton front brille. Hein? Tu es le genre d'homme que tu es. Tu es un homme, tu es un alpha male, tu vois. Tu n'es pas une femmelette. Oh. Tu pars d'abord habiter chez une femme. Tu ne te casses pas pour mettre quelque chose sur la table. Et après, quand tu vas aller le voir quelque part, il va aller crâner chez une autre. Hein. Il va prendre une petite déo là. Il va prendre une petite déo là. Tu vois, c'est tous les petits vulnérables, la bête, qui ont besoin d'argent pour la moto. C'est là-bas qu'il va aller faire sa force. Hein? C'est là-bas qu'il va faire sa force. Je suis l'homme de la maison. Quand je parle, non monsieur, tu ne peux aller faire ça quand la petite fille là, parce que sa chambre c'est 25 000. Tu ne peux pas. Viens payer le loyer 400 000 si tu vois, non. Si tu es homme, viens payer le loyer 400 000. Voilà, l'autre dit que c'était avec les ménagères. Viens payer le loyer de 400, 500 000, on va voir si tu es homme. Que ça t'a dépassé, allez vivre chez la femme. Les femmelettes, les hommes-femmes. Non, je viens d'aménager dans la ville. Tu vois, j'ai besoin, en attendant que je me mette sur mes pieds. Tu es le chat. Hein? Tu es le chat. Même le chat. Attends, le chat ne tombe jamais sur le dos. En attendant que je me remette sur mes pieds, il faut que je. Te voilà. Tu n'aimes pas l'enfant d'Anatole Emmanuel. Te voilà. Faites très attention. Faites attention. Parce que quand tu réussis à te sortir de ce genre de relation, parfois tu restes dedans et tu es coincé. Il te dit. Il dit que tu es coincé. Tu veux partir. Tu sais que l'homme se connaît tous les endroits où je peux partir. Et parfois, tu viens de faire une grosse dépense. Tu n'as pas assez d'argent pour dire que tu peux aller prendre un endroit qu'il ne connaît même pas.
pour aménager là-bas. C'est pour ça que, mesdames, ayez toujours votre vex money. On va mettre ça dans le dictionnaire et choisir. Vex money. Qui connaît le vex money ici là? J'ai parlé ça plusieurs fois. Dites-moi. What is vex money? Talk to me, baby. Talk to me. What is vex money, please? Talk to me, baby. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le vex money. Parlez alors. Le vex money, l'argent de la colère. Je travaille avec une Jamaïcaine. Je sais que les Jamaïcaines sont des femmes très indépendantes. C'est le genre d'argent que quand tu veux partir, tu ne réfléchis même pas là. L'argent de la colère, vex money. La Jamaïcaine là, elle me dit, j'ai un gars qui m'a invité à sortir ce soir. Et ma mère m'a dit, il faut toujours que je prenne mon vex money. Je me demande, what is vex money? Elle dit, le vex money, c'est l'argent que tu arrives. Il t'énerve un peu, genre, tu payes ton addition, ta part que tu as mangé, tu payes ton taxi, tu rentres. Pas le genre que tu attends même qu'il te dépose là. Ayez vos vex money. Hey, que penses-tu? Johnson, ma chérie, je vais te bloquer direct. Dans mes directs, je ne parle jamais de personne. Tu as compris? Vous avez menti. Vous allez donc, je ne suis jamais dans les polémiques. Je ne prononce jamais le nom de quelqu'un dans mon direct. Donc, si tu viens ici pour le Congo, ça, tu as menti. Tu as compris? Voilà. Tu es chez la mauvaise personne. Allez ailleurs. Je ne pense rien de personne. Ma vie me dépasse déjà. J'ai beaucoup à faire. Mon propre argent me dépasse à gérer. Je vais me mettre sur les réseaux sociaux pour parler de quelqu'un. Pardon. Quittez avec ça. Comme ça, vous êtes parti dans ces vidéos, commencer à dire que j'ai dit que sur elle. Eh, hey, pardon. Please. Excuse me. Si chacun pensait comme moi, j'ai trop à faire sur moi. Quand il me lève à 5 heures, l'argent, il y a dans ma tête. Cap, 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 cap. Go, tchon, cap. Où you are? Je cherche l'argent. Voilà. Je cherche l'argent. Si tu cherches l'argent, c'est que tu... Mais l'argent. Donc, je disais que vous devez avoir votre vex money. Je connais beaucoup de femmes qui sont encore logées chez dans les maisons communes. Oh, je ne peux pas partir. Oh, il sait même déjà qu'il a une autre femme dehors. Oh, oh. Tu dois être indépendante. Très important. Tu dois être indépendante. C'est très important. Donc, j'ai bien expliqué que pendant cette période-là, tu as remarqué que tu as une facilité à dire non aux gens. Quelqu'un vient, ça ne t'arrange pas, tu lui dis non. Tu dis ngak, ge, de kenya. No. Nada. Kikok. J'ai un ami récemment là. Et j'ai compris que la meilleure façon de gâter tes relations avec les amis, c'est de leur prêter de l'argent. Et en fait, si on met l'amitié, on met l'argent, j'aurais préféré mon argent. Parce que non seulement notre amitié se gâte et tu ne me donnes pas mon argent. Ça m'énerve. Donc tu vois, quand tu prêtes ton argent à quelqu'un, le jour où il faut remettre, tu ne remets pas. Tu es maintenant derrière lui. Hakapabum. Donne-moi mon argent. J'arrive. Finalement, tu abandonnes l'amitié, tu abandonnes l'argent. Si on mettait l'amitié, on mettait mon argent, je prenais mon argent d'abord. Vrai. Parce que en un an, tu m'apportais d'abord quoi? En un an d'amitié, 2 ans, tu m'as déjà apporté quoi? Oh, hakabum. Tu m'as donné quoi? Rien.
À part le fait qu'une fois par mois, tu m'appelles pendant 4 heures de temps pour me raconter ta vie. Ça m'aide à quoi? Ça me donne quoi? Tu fais descendre ma vibration. Et dans cette période aussi là de solitude, vous allez voir que beaucoup de personnes vont sortir de votre vie à cause de ça. Les personnes qui abusaient de vous. Vous allez voir d'ailleurs que beaucoup de vos relations, c'était des relations abusives. Beaucoup des amis que vous aviez, c'était par intérêt. C'est tout toi qui donnais. Ah, on n'a rien fait le week-end-ci. Il faut qu'on écrive à la reine, mais on veut voir ce qu'elle fait. La reine Jocelyne, tu es à la maison? Oui, oui, on arrive, on arrive. Je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Hein? Vous venez, je prépare, vous mangez, vous salissez ma maison, vous ne lavez pas, vous partez. J'ai coupé tellement de choses. Parce que quand les gens viennent chez toi, tu dois les distraire. Tu dois... You need to entertain them. Oui, comment était? Et la famille? Et les enfants? J'en ai rien à foutre de tes enfants. Et le boulot? J'en ai rien à foutre de ton boulot. Et ton mari? J'en ai rien à foutre de ton mari. J'en ai rien à foutre. I'd rather be working, man. J'aurais aimé être en train de travailler. Tu me dis pas à quelle heure tu pars. Finalement, 20h arrive, tu dis, on va une fois dormir ici. Je t'aimerais dormir chez moi. Hein? Et vous avez beaucoup d'amitié que c'est toujours vous qui donniez. Voilà la rentrée. Oui, je sais que tu bouffes ta tontine, non? Donc, moi-même, j'ai mes enfants. Pourquoi tu veux venir prendre mon argent de tontine? Hmm? Pourquoi? Faites attention. C'est comme ça que ces gens-là vous sucent votre énergie. Donc, tu vas voir que c'est dans cette phase de ta vie. Ouais, tu m'as déçu. Ouais, je croyais que tu devais faire ça, tu n'as pas fait. Vraiment, tu es même quel genre de personne? Ni chaud ni froid. Tu me suis, ma chérie. Ni chaud ni froid. En fait, elle écrit, tu lis, après tu fais lui et ignorer. Tu ne te sens bien. Comment elle peut dire ça de moi? Non, tu ne veux plus te prouver à quelqu'un. I don't have the need to prove. I don't feel that need. Quand moi je suis au village, je suis en mode saleté jusqu'à quand quelqu'un me regarde. J'ai fait mon vlog là, je vais mettre avec mes pieds sales. Si tu veux, tu vois la tête sur mes pieds, ça te dérange. Je m'en fous. Je m'en fous. I don't need to prove something to you. Et tu vas voir que tu vas entrer dans une phase où tu vas. Et toutes les fois de ma vie où je suis tombée, c'est parce que je n'ai pas écouté mon intuition. Et en n'écoutant pas mon intuition, c'est parce que je voulais... Tu vois, il y a beaucoup d'hommes que quand vous êtes mis avec eux. Hein? Hmm? Tu m'as vu à quoi, non? Oui, j'étais sur la moto. J'ai même fait le vlog de ça et mis sur la moto. J'ai mis sur TikTok. J'étais sur la moto, ça m'a plu jusqu'à... J'étais contente. Mon cœur n'est pas le caillou. Hey, laissez ça. Hey, c'est ça. I'm living my best life. Oh, oh. Je vis, moi, ma meilleure vie. J'ai souvent eu des ex que quand ils me disent que non, le genre que les gens te connaissent, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Je dis que ça me plaît. J'ai monté sur la moto, au point. Je montre comme ça, le vent, ça me plaît. Non, tu ne dois plus faire le genre de choses là. Cache-toi. Attendez. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, j'ai vu l'appel à la substance. Tu as déjà fini? Tu as fait le paiement? Au Cameroun, quand on fait le paiement, on fait la capture d'écran, on envoie à la personne. Oh, non. Est-ce que j'ai fait chez Orange? Tu as filmé, tu as envoyé. J'ai fait un dépôt. Oui, j'ai fait un dépôt à Orange. Mamie, tu me comprends bien. Filme le reçu, non? Tu envoies. C'est comme ça qu'on fait. Ah, le reçu. Voilà. À tout à l'heure, non? Je suis en direct. Bye. Sorry. On ne blague pas au pays. Mais Benguiste là, que quand vous venez, vous croyez que... Au pays, cela, on n'est pas... Au pays, ça va vite. Ça, c'est un truc que j'avais... Même les transactions au pays, ça va vite. En Europe, pour que quelqu'un t'envoie l'argent, je me rappelle en France, pourquoi m'envoie l'argent, il fallait qu'il enregistre le RIB. Après, il transfère, j'attends le lendemain. La première fois que je suis arrivée ici au Cameroun en 2019, quelqu'un me dit que je suis au marché, je vais augmenter les prunes avec l'avocat, envoie-moi 1000 francs. Tu vois, j'avais ma petite là, elle fait tac, 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 tac. Tu as reçu? Il dit oui. J'ai dit que, hey!
Ça va, Vito? Ne fais pas. Je ressens souvent les menguistes. Quand vous arrivez ici, là, vous croyez que ça va vite au pays. Hein? Très vite. Très vite. Très vite. Vous avez suivi, non? Moi aussi, je t'aime, Maël. Maël, merci. Que papa le taron vient manger. Donc, je disais que je vivais ma best life. Et ça me plaisait. Donc, je disais aussi que vous allez rentrer dans une saison où vous allez perdre. Vous allez commencer à retourner vers les sources de ce que vous aimez. Peut-être l'esprit te disait souvent que va passer 3 jours au village. Va au bord de l'eau. Et c'est à 6 heures quand tu voulais partir au bord de l'eau que B allait se tourner pour te toucher. Hmm? Et parfois, vous avez donné les rênes de votre vie aux personnes qui ne vous ont même pas prouvé qui peut vous amener quelque part. Tu rencontres un homme, il a les projets. Ce n'est même pas comme ses projets sont sur le papier. Hein. Il a les projets dans sa tête. Oui. Je serai, je vous... Alors que toi, tu as tracé ton plan. Tu suis la reine Jocelyne depuis des mois. Donc, tu as un cahier qui est plein de tes rêves. Hein? Tu payes tes dîmes. Tu le rencontres. Il commence à dire que, vraiment, tu sais, une bonne femme doit écouter son mari. Hein? Mesdames, avant de prendre les rênes de sa vie, le volant de sa vie, et donner à quelqu'un que conduis-moi, assure-toi que la personne a le permis de conduire. Assure-toi qu'il a mis le tom-tom. Et que le tom-tom a la connexion. C'est-à-dire qu'on connaît là où on est en train de partir. Hmm? Tu as aménagé chez moi avec tes 2 enfants. Et... Ok, il faut venir. Il y a l'espace à ma képe. Assure-toi que la personne est en train de partir quelque part. Parce qu'avant, tu disais que non, je veux un homme riche, je veux un homme riche. Mais tu ne savais même pas le genre d'homme que tu voulais. Ce qui fait que quand l'homme venait avec des flatteries, sans preuve, ton frère, ton cousin te dit que le monsieur, c'est là, il a quoi? Il fait quoi dans la vie finalement? On ne voit rien. Non, il a les projets, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. C'est un homme d'affaires. Eh, hey, Seigneur. J'ai écouté l'autre comme ça l'autre jour. Il venait me demander de lui prêter l'argent. 2 millions. Mais non, tu sais, moi, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. J'ai quand même... il fait que me dit son âge. J'ai quand même 40 ans, quand même. Du haut de mes 40 ans, je suis mature. Je suis mûr. Tu es mûr, même si tu es la banane. Hein? Tu es un homme d'affaires. Pourquoi tu viens me demander 2 millions? Hmm? Un PDG, s'il a l'argent, il est mûr. Pourquoi il vient te demander l'argent? Parfois, il dit, en attendant que je me remets, en attendant que je me remette sur mes pieds. Et parfois, ils ont des idées de business là à la con. Merci, Massimo, aussi, je t'aime. Si tu m'aimes, je t'aime. Les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes ennemis, non. Non. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Hein? Il va venir avec un plan fictif dans sa tête. J'ai eu une fois un autre comme ça. Tu le vois toute la journée à la maison, il dort. Ah, il dit qu'il fait le beauty sleep. Il fait le beauty sleep, continuons. Il me dit, j'ai un projet. Il faut combien? Non, il faut 4 millions pour commencer. Je lui dis que papa, l'entreprise que j'ai aujourd'hui là, hein, The Give Digger Academy, il y a cela 2 ans. J'ai payé le loyer de 25 000. J'ai commencé, je n'avais que 25 000 pour payer le loyer. Je n'avais rien d'autre. Oh, comme que. Et si je lui dis que bon, prends 100 000, tu commences avec. Hey! Il va faire comme si tu l'insultais. Maman, le chantage émotionnel Je n'investis pas sur les projets qui sont dans ta tête. Juste en passant un coup de finance, tu investis sur un business que tu vois, ça entre déjà tous les jours. Ça entre, ça produit.
Jusqu'à tu sais que même si la personne ne peut pas te rembourser, tu viens t'asseoir chaque jour à la caisse. Quand on ferme la caisse, on prend l'argent, on te donne. En 2 semaines, tu as ton argent. Donc tu imagines. C'est-à-dire, si tu prends 1 million, tu mets dans un business. Assure-toi qu'en 2 semaines, le business, ça peut rapporter 1 million. Donc si c'est ce que le monsieur n'a pas 1 million pour te donner, tu vas t'asseoir à sa caisse. Tu dis que je vais travailler ici pendant 2 semaines pour récupérer mon argent. On n'investit pas sur le rêve. Même si la nuit là, il a tourné le truc là n'importe comment. Il a mis le pilon dans le couscous, il a tourné n'importe comment. Hein? Tu vois le genre de pilon qu'il met dedans. Il dit, ok. Mesdames, on ne fait pas de promesses quand on vient de manger le couscous. Hein? Parce que vous connaissez les femmes si. Personne ne m'a jamais fait ça comme lui. On m'a laissé seul dans la concession à Badjoun. Je suis en train de rire seul. Oh là là. Ma chérie, le jour où j'ai su que j'ai avancé, merci pour le chapeau, Benlise. Je te fais des bisous, Benlise. Comment tu vas? Le jour où j'ai su que j'ai avancé, c'est quand je pouvais finir de manger le couscous, je me couche sur le lit comme ça là. Il dit que, bé, on fait comment pour mon projet là? Je dis que non, 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 pas maintenant, pas pour le moment. Donc jusqu'à je n'ai pas froid aux yeux. C'est là que je me suis regardé au miroir comme ça. Je dis que Jocelyne, you're good. Après, il dit que tu m'as exploité. Tu m'as utilisé. Je sais que mes ex me regardent. Bonsoir mes ex, bonjour mes ennemis. Still I rise. You've been hating me, but still I rise. Hein? Le jour où j'ai lu le poème de la femme là, hein? Still I rise. Oh, I rise. Oh là là, la première fois qu'un homme m'a dit que je l'ai exploité, j'étais contente. C'est comme s'il m'a donné les galons. Ah! Hey! Non, j'ai envie de courir. Qu'elle m'a utilisé. Non, tu m'as utilisé, tu m'as. Je faisais un peu. Il fallait pas quand même que je rie devant lui, quand même. Voilà, je faisais un peu comme ça. Oh là là. Oh là là. Non, je t'ai pas utilisé. Je n'ai juste pu être bête. J'ai validé l'UV là. J'ai validé l'UV. Parce qu'avant, quand j'échouais les UV, voilà la pensée qui était dans ma tête. Ah, c'est quand même ton... Voilà, tu es même quel genre de femme, non? C'est ton gars, non? Une femme doit être soumise. Mais une femme ne doit pas soumettre son argent. C'est différent. Elle se soumet à l'homme et à l'argent de l'homme. Mais elle ne doit pas soumettre son argent à l'homme. Merci pour le champagne, reine. Oh... Regarde comment tu es belle là-bas. Look at you, Rendezo. Look at you. You're so cute. You're looking like a cute, cute, really cute queen. Tu m'as exploité. Tu m'as utilisé. Tu fais ça. I'm becoming an expert. Donc, comme je disais, tu vas remarquer que tu ne mets plus le cœur sur les choses. Ah, tu viens d'envoyer ta dîme. Ah, d'accord. À l'instant ou bien, je check. Affaire agent, là, vous attendez un peu. Hein? Je vais bénir ta dîme en direct. Oui, j'ai reçu. Je bénis ta dîme. Je bénis cette dîme au nom de Jésus. Que tu ne manques pas. Que tu ne manques pas. Que la dîme, si te libère des blocages. S'il y avait les Decepticons à côté de toi, qui quittent, j'enlève tes pieds. Je ne sais pas pourquoi, je vois comme si tes pieds sont fous. Peut-être que quand tu veux te déplacer depuis, tu n'arrives pas. Je te vois les pieds dans le ciment bloqué. Donc je te débloque, tes pieds, que tu puisses avancer. Prends l'accélération qu'il te faut au nom de Jésus. Okay. En passant, je bénis les dîmes, ceux qui envoient leurs dîmes. Quand vous faites un message, généralement, je bénis vos dîmes dans le message sur WhatsApp. Vous allez voir que
Vous allez remarquer que vous êtes devenu. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, ma chérie. En fait, les choses qui te faisaient pleurer avant, on te faisait du mal, tu pleurais. Non, non, tu ne pleures plus. C'est peut-être après, même un mois plus tard, tu peux rester comme ça, là, ton cœur fait mal un peu. C'est là que Dieu te dit que c'est la douleur de... Tu vois, quand tu étais partie, non? Tu n'avais jamais pleuré à cause de ça. Oui, il faut pleurer le jour, là. C'est le dernier, les derniers... les résidus qui sont quittés de ton corps. Puis tu essuies tes larmes, tu avances. Donc, tu as remarqué que dans ce moment de solitude, tu ne cherches plus à faire plaisir aux gens. Tu ne cherches plus à... Même visiter les gens, tu ne veux plus. Tu te lèves, tu écris tes choses, tu regardes peut-être, tu es peut-être sur TikTok, tu regardes un truc, si tu fais tes vidéos, peut-être tu fais tes vidéos. Tu arrives à t'organiser seul. Tu n'aimes plus la compagnie des gens. Et ton lavage au sel, tu le fais fidèlement. Lavage au pipi, tu le fais fidèlement. Tu arrives à faire tes choses fidèlement. Hmm? Tu fais tes déclarations. Les choses qui y a, c'est là, 5 ans, tu commençais, tu laissais. Tu commençais, tu laissais. Et tu as un peu plus de niaque qu'avant. Tu vois, quand tu rentres, tu te lèves le matin, tu dis qu'on va gagner 50 000 aujourd'hui. Tu rentres le soir avec 75 000. On va faire ça aujourd'hui. Donc, tu commences à commander. Tu oses demander. Renaud, bonjour. Oui. La nouvelle toi est en train de naître. Souvent, je vous fais le tirage de cartes, je dis que tu es en pleine renaissance. C'est ça la renaissance. Tu es en renaissance. Dans cette période de solitude, tu vas beaucoup plus écouter la voix de Dieu. Tu vas t'élever comme ça, Dieu va te dire, va dans tel endroit. Peut-être depuis tu voulais acheter une nouvelle voiture, tu tournais. Et tu sais que tout, c'est l'énergie. Hein? Mmh? Tout, c'est l'énergie. Avant que tu avais... Il y a même des gens que parfois tu quittes, ton nombre d'abonnés augmente. Je vais envoyer ta dîme. Le numéro est sur la page Facebook. Ok, c'est le 693 50 22 66. Petit chien, tu as à boire. Tu vas te rendre compte que... Je vous donne juste le processus, hein. Tu vas te réveiller le matin comme ça, tu seras heureuse. Souvent, tu vas rester comme ça, tu auras des éclats de joie. Quelqu'un va même te regarder rire en route seul. On dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la fille ici? Qu'est-ce qui lui arrive? Parce que ton âme est en train de chercher, de retrouver une liberté que cette âme a cherchée depuis 10 ans. Certains d'entre vous avez échappé à 2 mariages. Le numéro pour la dîme, c'est le 693 50 22 66. 693 50 22 66. Ça, c'est le numéro pour la dîme. Waouh, la seule chose qui te manquait de ton travail spirituel, c'était de démissionner de ton boulot. Tu l'as fait. Et tu as une paix de cœur. Tu fais tes choses toute seule et ça te plaît. Marcy, tu vas découvrir une nouvelle toi. Tu vas découvrir une nouvelle toi. Et je vais te mentir, si tu te lèves un matin, tu as envie de faire quelque chose, va faire. Parfois, tu peux te réveiller comme ça, là, tu as 100 000 dans ton compte. L'esprit te dit, va acheter tel truc de 50 000 que tu voyais là. Tu te rappelles ce que tu... Depuis 3 ans, tu dis que tu vas acheter là, non? Va acheter ça aujourd'hui. Maman, en marchant, c'est comme si tu seras en train de voler. C'est comme si les ailes vont pousser sur toi. Tu vas arriver, tu payes. En payant ça, tu rencontres même 3-4 personnes, vous riez. Après, tu dis, waouh. Donc, je pouvais être heureuse comme ça.
Audrey, le numéro pour la dîme, c'est le 693 50 22 66. Le nom, c'est Joséline. Et il y a aussi le numéro RTL, ceux qui veulent RTL. Tu vas rester comme ça là, peut-être tu auras la volonté maintenant de faire tes vidéos. Ta page de TikTok depuis tu as ouvert, tu voulais vendre tes choses dessus, tu tournais. Tu vas te lever un matin comme ça là, tu as une idée. Pap, fais une vidéo. Tu fais. Tu vois le jour là, la vidéo là, 200 vues. Alors que tes vidéos ont souvent 50 vues. 6, 93, 50, 22, 66. Pas 86, 66. Wasilia, voici là, on m'a tellement... J'ai tellement voulu être libre. Mon intérieur, my guts, you know. L'intérieur de moi cherchait tellement l'expansion, la libération. Et je savais que mon plus grand ennemi, c'était moi-même. C'était moi. Tu vois, quand tu restes comme ça, là, tu sais que tu dois aller faire peut-être le sport ou bien tu dois arrêter avec telle personne. Mais tu te dis, ah, si j'arrête, je vais parler maintenant avec qui le soir. Je vais parler avec qui le soir. Si j'arrête, je vais... Tu commences à t'interroger, tu vois, non? Titinou, merci pour les fleurs. Maintenant, si par la foi, tu décides d'arrêter. Au départ, tu auras un petit blues parce que ton âme était habituée à parler avec la personne. Ton âme. Mais l'âme n'est pas importante. Parce que l'âme, c'est les émotions. Aujourd'hui, l'âme veut, ou demain, l'âme ne veut pas. Aujourd'hui, oh, ce qui pour combattre ça, jeûne. Les premiers jours là, après la rupture, là, fais le jeûne. Jeûne. Écoute beaucoup de vidéos qui vont te mettre dans la vibration que tu veux. Tu vois comme là, depuis que tu m'écoutes là, non? Depuis une heure que tu es connecté, comment est ta vibration? Voilà. Cherche beaucoup de choses. Parce qu'au départ, généralement, si vous viviez dans une ville où vous étiez là-bas ensemble, donc très souvent, je suis en direct. Je finis mon direct dans environ 30 minutes. Donc, tu restes comme ça. Tu comprends que toute la phase émotionnelle de moi, c'est moi qui joue avec moi-même. Et c'est cette partie de moi-là qui ne veut pas que j'atteigne ma meilleure version. Donc, fais des jeûnes. Écris ce que tu veux. Écris. Il y a un truc aussi que je fais souvent, je parle à ma future version. I love this one, I love it. Ceux qui sont venus chez moi le premier, là, le premier, je vous ai reçu à Makepe le 1er août. On a fait une belle séance. C'était, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, moi. Moi, quand il fait un truc, si ça me plaît, déjà, c'est bon. Même si vous n'aimez pas, il m'en fout. Si ça me plaît, déjà, c'est bon. Ça, c'est le nouveau moi, là-bas. Si j'ai aimé, ça va. That was it. Donc, dans ce truc-là, tu fais quoi? Tu essaies de voir ta future version dans 5 ans. Elle est chef d'entreprise. Elle a combien de voitures? Elle possède quoi? Elle voyage, elle va où? Elle a combien de maisons? Tu regardes. I love it. J'aime la partie là. Maintenant, dans cette saison de solitude, Dieu va confirmer ce qu'il te disait depuis. Tu vois, peut-être que Dieu te dit aujourd'hui que dépense 50 000. Fais un don de 50 000 quelque part. Il peut même te dire que fais le don à la femme, c'est de 50 000. Tu fais le don. Le soir, tu reçois 100 000. Tu dis, hey! Demain, Dieu te dit, va dans l'orphelinat. Tu vois ta cousine là qu'elle avait pour son fils là. Tu sais qu'à la rentrée, elle va beaucoup souffrir, non? Fais-lui un don de 25 000 pour les cahiers de l'enfant. Tu fais le don de 25 000. Le soir, tu reçois 200 000. Bam! Tu dis, hey! Tu commences à écouter. Après, il va te dire, achète telle chose. Tu vas vendre ça la semaine prochaine. Achète. Tu sors l'argent de ton compte d'épargne, 75% de tes épargnes. Tu achètes la marchandise. Tu arrives dans le magasin là, le jour là, c'était en solde. On liquidait, ils voulaient fermer.
tu achètes le stock, tu mets à la maison, tu te dis que, après le soir, tu dis que, ah, peut-être que tu as fait une erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Depuis que tu suis ton intuition là, tu es devenue folle. Mais pourquoi tu peux acheter tout ça comme ça là? C'est ta tête qui te parle, hein? Parce qu'il n'y a plus d'homme à côté de toi pour te dire que c'est quoi comme ça. Tu crois aussi que les gens vont acheter ça. Mais finalement, tu te calmes, tu dors. Le lendemain matin, une idée te vient. Poste le produit là sur TikTok. Te voilà, tu postes. Tu postes. Premier jour, tu vends 5 articles. Bam! Deuxième jour, 10. Bam! Tu as récupéré ton fonds, l'argent que tu as dépensé. En 2 semaines, tu as tout vendu. Hey, je peux être une bonne vendeuse de ce produit. Hé, hé. Te voilà. Voilà comment tu trouves ta voix. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Tout va bien se passer, ma chérie. Tu as envoyé la dîme, mais ok, je vais demander qu'on vérifie. Vérifiez si vous avez reçu de l'argent sur le 693, s'il vous plaît. Les 5 dernières minutes. Merci. Tout va s'arranger. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Pendant cette phase, si tu apprends à t'écouter, tu suis ton intuition, ça double, ça triple, ça quadruple tes revenus. En l'espace de 6 mois, tu te retrouves, ton revenu a multiplié par 10. Avant, tu n'arrivais pas à payer une chambre de 50 000. Maintenant, te voilà que tu es en train de vouloir partir. Tu veux partir, tu veux louer un endroit de 200 000. Sans souci, et tu as l'argent pour payer. Tu as l'argent pour payer. Tu n'as rien et tu as besoin de me parler. Je ne parle pas aux gens qui ne payent pas. Tu as compris, papa? Ça, c'est les phrases qui ne coïncident pas avec moi. Je n'ai rien et je veux te parler. Amour Gaël, que tu aimes l'argent. Non, si tu parles de moi, oui, j'aime l'argent. Quand vous rejetez l'argent en public, l'argent vous rejette en privé. Hein? Oui. Tu rejettes l'argent en public? Non, moi, je n'aime pas l'argent, vous savez. L'argent va dire que la femme, si la... Quand on vient dans sa poche, là, elle parle mal de nous, pardon. 6 93 50 22 66. C'est le numéro que j'ai donné, mamie. Ouais. J'ai demandé qu'on vérifie. J'ai demandé à mes secrétaires de vérifier. Merci à Poutou Qualité. Ils n'ont pas reçu. J'ai donné le numéro, notez bien le numéro. 6 93 50 22 66. Ça, c'est au Cameroun. Il y a aussi un numéro en Côte d'Ivoire. Et à Etel Moni pour le Gabon. Oui, déposez les dons pour l'orphelinat, pour la rentrée. Déposez ça à Makepe. Écrivez, on va vous donner les prix de la consultation, s'il vous plaît. Bon, je continue ce que je disais. Donc, quand tu vas commencer à t'isoler, tu vas écouter ton intérieur. L'argent va commencer à venir. Ton cercle d'amis va changer. C'est justement parce que je suis une sorcière que je suis belle, ma chérie. Le numéro Momo, c'est le 680-71-0701. Le nom, c'est Valérie. 680-71-0701. Wanko,
Je t'envoie les messages sur ton WhatsApp, tu ne réponds jamais. Même quand nous sommes vraiment en détresse, pourquoi tu ne fais ça? Encore, je ne sais pas d'abord qui tu es. Tu as compris? Hmm? Je n'ai rien contre toi parce que je ne te connais même pas. Quand tu dis que je te fais ça, ne crois pas que je passe sur les numéros WhatsApp, je sélectionne. Si c'est tap tap scène, ça prend souvent du temps pour arriver. Bon, elle a envoyé l'argent par tap tap scène, hein, donc vérifiez d'un moment à l'autre, vous me faites signe. J'espère que tu as envoyé au bon numéro. Donc, quand tu es dans cette phase où tu commences à recevoir de nouvelles personnes dans ta vie. Avant, tu recevais les amis qui disaient, ouais, vraiment, ça ne va pas. On prend la moto pour partir de tel côté. Ton revenu se multiplie par 10. Commence à vivre dans les endroits où tu as le cuisinier, tu as la ménagère. Tu voyages tous les 2, 3 jours, 4 jours, 1 mois. Hmm? Dans l'avion, tu rencontres les gens qui disent que « Oui, je reviens de Dubaï. Oui, dans 2 jours, je vais aller à Hong Kong. Oui, oui, donc mon chauffeur, tes nouveaux amis, ce ne sont même plus les amis vraiment comme ça. Tes nouvelles acquaintances, how do you say acquaintances? Tes nouvelles connaissances, ce sont des personnes qui t'apportent de la valeur. Le numéro de quel pays? Donnez-moi votre pays, je vous donne le numéro. Donc, tu te retrouves, tu sens que les conversations que j'avais avec les gens il y a 12 mois et celles que je suis en train d'avoir avec les gens maintenant, ce n'est plus les mêmes conversations. Bon, pour la Côte d'Ivoire, je vais vous donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Le Bénin aussi, j'ai un numéro au Bénin maintenant. Pardon, donne-moi le numéro de la Côte d'Ivoire ici. Donne-moi le numéro de la Côte d'Ivoire, je vais le dicter. Oh, c'est 0779-520205. C'est Wave. Ok, tu envoies la Momo. Hein. Ok, ta dîme a été reçue, c'est bon. On a reçu ta dîme, c'est qui a envoyé par Tap Tap Sen là. Je bénis ta dîme. Encore, tu as beaucoup de problèmes financiers. C'est lui qui vient de payer sa dîme là. Donc, pour la Côte d'Ivoire, c'est le 0779-025205. Et le nom, c'est Joséline sur Wave. Ça, c'est le numéro Wave en Côte d'Ivoire. 0779-025205. Donc, je vois quelqu'un de la Suisse qui vient d'écrire ici, là, pour qu'on te suive. Commencez par le kit fondation et le lavage. Je fais les lavages dans une semaine. Là. Fin de semaine, je vais faire les lavages. Kit fondation et lavage. Et je vous ai informé que je faisais les sacrifices d'animaux demain. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça. Mais je n'en parle qu'avec ceux que je parle, avec qui je travaille en privé. Ne parle pas de ça sur les réseaux sociaux. Achetez vos grosses bouches là. Pour venir prendre mes captures d'écran pour aller dire qu'elle a dit que. Moi, je vous connais. Moi, je suis là dans la vie pour chercher mon âme. Tout le reste, c'est des problèmes là, je ne suis pas dedans. Donc, tu vas remarquer que tes nouveaux amis, je suis au Cameroun. Tes nouveaux amis qui vont venir, vos relations seront saines. Tu fais un cadeau, il te fait un cadeau. Tu fais un cadeau au couple, le couple te fait un cadeau. Pas que tous les jours, c'est toi qui donnes, tu 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 donnes. Non, tu fais un cadeau. Après, tu dis, oh non, tu n'aurais pas dû. On te gifle avec 2 cadeaux. Tu fais un cadeau, on te gifle encore avec 3 cadeaux. Oui.
Ça, sont les relations équilibrées. Hmm? Sandra, merci pour les fleurs. En privé, le numéro est là-bas. Sur la bio de TikTok. Vous cliquez là-bas. Vous payez la consultation, si vous voulez la consultation. Vous voyez, non? Oui, Franck, ça va aboutir. La dîme, c'est 10% de ton revenu. C'est 10% de ce que tu touches. Donc, si ton salaire, c'est 1000 euros, tu payes 100 euros de dîme. Et tu dois prier sur ta dîme, tu dois parler sur ta dîme. L'homme de tes rêves. Pour prier sur la dîme, tu utilises Malachie, chapitre 3, versets 10 et 11. L'homme de tes rêves. Il est là. Il est aussi en train de se préparer pour monter en vibration. En fait, quand vous êtes exigeante sur une façon de faire, il y a des hommes avec lesquels vous êtes séparés parce que ils ne se comportaient comme des bébés. Ils n'étaient pas matures. Tu vois un homme, il ne s'occupe pas de sa mère. Ses petits frères sont même là. Il travaille, il touche son salaire. Tu vois, il ne fait rien. Il ne donne rien à sa mère. Tu dis, attends un peu. Fuis. Run. Run. Comme on dit là. Est-ce qu'on peut payer sa dîme partout? C'est le maïs que tu es en train de saccager au poulou bien. Hmm? Tu veux payer partout, va payer partout, non. Le problème de votre problème, c'est que spirituellement, parfois, vous êtes très éparpillé. Vous venez ici, vous prenez un peu, vous partez là-bas, vous prenez un peu, vous partez là-bas, vous prenez un peu. Vous faites le vagabondage spirituel. Je dis toujours aux gens qui me suivent que même si ce n'est pas moi, cherche une personne, assois-toi chez la personne, écoute et mets en pratique ce que la personne te dit. Mets en pratique. Et tu vas voir. Tu vas voir que trouver quelque chose qui est rare, ça demande de la patience. Et très souvent dans le passé, c'est parce que tu étais impatiente que tu es tombée sur les mauvaises personnes. Et tu peux tout accomplir en étant mère célibataire ou bien en étant une jeune fille célibataire. Ce n'est pas le mariage qui va te faire l'accomplissement immédiat. Il y en a parmi vous. Ceux qui veulent le lavage, vous envoyez votre photo et vous envoyez 40 000. Tu envoies ta photo avec 40 000 pour le lavage à distance. Il y en a parmi vous, ton identité sort seulement du fait que je suis madame. Même le monsieur que tu portes son nom là, son nom ne signifie rien. Il n'est rien pour personne. Hein? Arrange-toi pour que demain tu sois même. Tu peux rester comme ça là. Le premier ministre de ton pays, sa femme meurt. C'est vrai qu'on ne veut pas la mort de certaines femmes, mais bon. Sa femme meurt, voilà, il se retrouve veuf. Il tombe sur toi. Que l'homme était si s'est préparé, la femme l'a préparé pour toi. Et que toi-même tu t'es préparé. Parce qu'il y a un certain âge, parfois, quand une femme atteint peut-être 40 ans, si je vais trouver un homme single, célibataire, à 45-50 ans. Non, c'est impossible. Et en plus, s'il est célibataire, il a toutes les caractéristiques que je veux. Il se discipline déjà, il fait déjà ceci. Prépare-toi d'abord. Tu es en préparation. Tu avais avorté le processus avant. Maintenant, là, concentre-toi dans le processus, tu le fais. Tu vas voir. Parce qu'après, quand tu commences à te discipliner, tu ne pourras pas tolérer quelqu'un qui ne se discipline pas à côté de toi. Parce que tu sauras que... Attends, imagine un peu, 5h30, tu es debout, tac. Tu fais tel truc, tu t'attaques, tu fais tata. 7h30, tu es au boulot, tac, 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 tac. Ton revenu, peut-être, c'est de 50 000 dollars le mois. Je ne blague pas, il y a des gens qui se font 50 000 dollars le mois. Tu tombes sur un gars qui dort trop. Qui n'est même pas à 2 000 dollars le mois. Tu penses vraiment que tu vas même t'arrêter pour l'écouter? Non. Parce que you're a go-getter, you know. Tu es une femme d'action, tu es habituée à faire tes trucs. Tu ne vas pas t'arrêter. Bonjour Diva, bienvenue Diva. Que ce que j'enseigne puisse t'aider à devenir ta meilleure version. Que la reine qui est en toi se réveille.
qu'elle accomplisse beaucoup de choses. Je veux former le clan des femmes milliardaires. Les hommes peuvent nous rejoindre aussi, hein, mais j'ai déjà annoncé que sur la plaque, on va mettre Club des femmes milliardaires. Maintenant, si un homme veut venir nous rejoindre, on s'en fout. Bonjour. Il ne va pas. Le père est parti, ma chère. Vous vous appelez comment? J'ai dit que c'est qui est venu? Tasso, son voisin. Tasso, père. D'accord, je vais lui dire. Au revoir, monsieur. Mon numéro est dans la bio. Tu veux t'inscrire, Vicky? Il dit, si un homme n'a pas un problème, parce que dans mon église, les hommes viennent. Hier, avant-hier, le premier, c'était quand avant-hier. Avant-hier, il y avait les hommes. Donc, je ne refuse pas l'entrée d'un homme, mais la plaque devant, on aurait écrit femme milliardaire. Voilà. Si tu veux, tu viens, il n'y a pas de si tu veux le lavage, c'est bon, on y va. Donc, mon numéro est en haut là-bas, c'est le 237-693-50-22-66. D'accord, tu es en France, tu veux une consultation. Oui, tu pourras faire un transfert Orange ou PayPal, oui. Mon église est à Makepe. Je vais souvent organiser des réunions, peut-être une fois tous les deux mois à Abidjan et une fois tous les deux mois aussi à Libreville. Donc, on a en train d'aménager les locaux. Toi aussi, tu veux t'inscrire. Là, c'est le truc qu'on va, les projets qu'on va faire même l'année prochaine, vers juin. Parce que le temps là, vous aurez assez d'argent. Parce que quand il avait dit que la participation, peut-être, c'est 1000 euros l'année. Vous allez facilement sortir 1000 euros, vous payez. Oui. Donc, on m'a dit l'année prochaine, vers juin, comme ça, c'est là qu'elle va lancer. L'adhésion, seulement, c'est 1000 euros. Oui. On choisit les pays où on se rencontre. Ouvrez vos esprits, s'il vous plaît. Open your minds. Tu t'occupes, tu es busy, tu fais tes choses. Tu gagnes de l'argent. Qu'est-ce que Daniel Erwin a, tu me dis? À Libreville, nous sommes à Louis, en face de l'hôtel de Louis. Tu vas à la rue du restaurant Lodica, non? La rue là. Tu quittes du marché de Louis, tu prends la rue du restaurant Lodica, tu montes le carrefour qui est là-bas. C'est là-bas qu'il y a le bureau. Je reviendrai en France, non? Leïla, tu dis que je ne blague pas avec le cap. Oui, non, c'est 655 000 l'adhésion annuelle. Oui. Mais on va commencer l'année prochaine. J'ai trop de projets qui sont en train de mettre sur pied pour l'instant. Si elle commence l'autre là, j'ai trop à faire. Je vais ouvrir mes magasins. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. On met ça pour l'année prochaine. Le temps que vous avez aussi beaucoup d'argent et que les blocages là quittent sur vous. C'est vrai qu'il y a une mère qui est prise pour son fils là. Qu'est-ce que ton fils a? J'ai bien envie de venir à Lomé, franchement. Lomé, il y a le Lomé et le Burkina. Depuis que j'ai vu le président burkinabé, j'ai espoir vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Il y a le Togo et le Burkina. J'ai bien envie de venir chez vous. Je suis à Badjoun pour l'instant. Tu veux le numéro de quel pays? Comme je dis que tu ne vois pas mon numéro. Et j'ai envie de danser. C'est quoi ça? Vous venez me tenter dans le direct hier que la cousine de l'or. Je ne suis pas la cousine de l'or, Kameni. Excusez ma vie. Ne cherchez pas les. Je ne veux pas. Je ne me mets jamais dans mon direct pour parler de quelqu'un. Jamais. 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 Vous avez suivi, non? Je ne suis pas Bouddha. Je suis Chang. Non, je ne suis pas Bouddha. J'aime les Bouddhas pour l'argent. J'espère que mon message est passé. Vous avez bien compris. Dans cette phase où vous êtes dans la solitude, c'est parce que Dieu est en train de renouveler votre environnement. Tu vas avoir envie de déménager ces jours-ci-là. Il est en train de renouveler. Même le boulot, tu vas le quitter parce que ton argent va augmenter. Il renouvelle votre argent. Même ton vestimentaire. Ta façon de t'habiller va changer. Parce que ton énergie, entre ta vibration est en train de monter. La solitude augmente ta vibration. Tu vois, non? La solitude, c'est le mouah.
Moi, j'aime les Bouddhas, parce que les Bouddhas aiment l'argent. L'argent, c'est la base. L'argent, c'est la base. Donc, tu vois, quand on dit que la base, donc la fondation, on ne peut rien commencer sans l'argent. Oui. Donc, le Seigneur veut que tu sois un peu plus patiente. Ne t'impatiente pas. Arrête de chercher à tout bout de champ un homme. Je veux un homme. Arrête. Calme-toi. Ta vibration est en train de changer. Dans maximum 6 mois, quand tu vas regarder ta vie, et tu vas rencontrer le genre d'homme qui sera déjà prêt. Tu vois le genre d'homme qui est déjà... Le genre d'alpha male là qui est tellement... En fait, tu as envie de te soumettre. Tu vois, non? Il est tellement... Tu vois comme notre président Ibella, non? Oui, là, il a la solitude. Tu canalises tes énergies, tu es productive. L'argent entre, tu te concentres sur l'argent. Un homme sûr de lui. Un homme sûr de lui. Je ne dis pas que j'envie sa femme ou que je voudrais être à la place de sa femme. Parce que moi, j'ai appris un truc de la vie. Hein. J'ai appris quelque chose de la vie. La vie. J'ai appris à ne plus envier la personne de quelqu'un. Je ne peux pas voir le mari d'une femme. J'ai dit, qui me donne? Never, ever, ever. I ain't gonna do that. Me no do that. Parce que je ne connais pas. L'herbe est toujours verte de l'autre côté. Donc laissez-moi avec mes herbes ici là. J'avais vu une reine à un deuil à Bouddha. Hein? Ah d'accord. Ça ne s'était pas. Je ne pense pas que c'était moi. Parce que je ne suis pas partie à Bouddha récemment. Dieu va amener ton alpha qui est comme tu veux. Qui aime le jazz. Moi, mon alpha là, premièrement, il doit parler l'anglais et le français. Parce que moi, là, souvent, il dégame en anglais. Quand je mange même le chocolat, je parle en anglais, je parle en français. Donc, vous voyez un peu. Regarde ce qu'il vient de dire dans le direct. Ma passe là. Oui. Il doit aimer le jazz. Il doit aimer le jazz. Oui. Le jazz. Tu as envoyé ta dîme, je bénis ta dîme. Je bénis ta dîme. Et il doit avoir vécu en Angleterre quelques années parce que, je ne sais pas, les Anglais ont un style là que j'aime beaucoup. Je suis anglaise dans ma tête. L'anglais a un style là, je ne sais pas. Oui, on vend le chapeau sur la doigt là. Un style là. You know. Donc, si quelqu'un n'a pas vécu en Angleterre, qui ne vient pas me draguer, ne me drague pas. Oui. Et c'est quelqu'un qui doit aimer l'Afrique. Parce que me and Africa, we day one. We day one. Me and Africa, we won. Tu veux faire un lavage, Kim, tu envoies ta photo, tu envoies ton nom et tu envoies le paiement. Le numéro est dans la bio de TikTok, ok? Tu écris, on va te répondre. Bon, je vais vous laisser, j'ai des lectures à faire.
Et deux, trois personnes qui ont déjà payé. J'ai vu des personnes ont payé la consultation. Là, je vais vous consulter. Après, on va aller un peu dormir. On est au village. Regardez comment c'est calme. We need to rest. On doit prendre le beauty sleep. We need some beauty sleep. Vous voyez la beauté ici, là, non? Ça s'entretient avec le sommeil. Oui, la tigresse, ça. Oui, oui. Tu peux payer par Western. Tu peux payer par Western. Attends, j'ai une idée. J'ai envie de faire quelques lectures pour les personnes qui sont ici. J'ai besoin d'une chaise. Tu veux faire un lavage? J'ai balayé. Ouais, envoyé dans un inbox, non? Salut ma chérie, on doit seulement t'envoyer par DHL. Parce qu'il n'y a pas le kit attirance à Paris. Ok, on doit faire un DHL. Donc, on voit ton adresse. Ah, d'accord. J'ai donné le numéro MJ. Écris dans le WhatsApp, s'il te plaît. Ok. You no get a time for the hate and the blame. Got my mind on my money. Attendez. Ok, c'est Rena. Bon. Pour Facebook. Comme on appelle les cadeaux sur Facebook, là, je vais baisser le téléphone avant de lire. Ok. TikTok, vous restez ici, là. Allez, faites des cadeaux, je vais vous lire. Allez-y. Mon numéro, c'est le 237. 693 50 22 66. Tu écris là-bas. Maintenant, le chapeau, si c'est en vente, oui. On va ça à doigt là. Ok. Senabou, envoie les cadeaux de 200 points. Ne fais pas les cadeaux de 5, de 20, 20 pence, s'il te plaît. Tu es toujours au chômage. Je te trouve où à Badjoun, je suis au chômage. Non, si tu es au chômage, tu n'auras pas l'argent pour me payer, papa. Tu as suivi, non. Si vous venez à Badjoun pour que vous lavez, vous me payez. Je ne fais pas les choses à tuer. Je vous connais. Emelda, Emelda, si vous Facebook, vous allez faire les, vous allez faire le truc, la capture d'écran en privé. Je ne lis pas comme ça. Hé, hey, Seigneur Jésus. Je sais pas, je précise. Qui m'adore comme ça là? Mon titre, c'est arrête d'être pauvre. Arrête d'être pauvre. Bonjour Antoine. Qu'est-ce que Antoine a dit? Je pense quoi des femmes de 28 ans encore chez les parents? Cette femme de 28 ans encore chez les parents, elle a des, il y a des malédictions générationnelles qui te bloquent. 28 ans chez les parents. Malédictions générationnelles qui te bloquent. Même si tu sors sans travailler sur toi, tu vas revenir. Tu vas faire l'effet boomerang là, tu vas revenir. Tu dois d'abord te libérer. Tu dois d'abord te libérer. Christian. Je peux ne pas être mariée, mais je ne suis pas intéressée par une relation, hein, tu sais. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont singles qui ont besoin, qui ont envie de se mettre en couple. Ta copine hésite à venir habiter avec toi. Elle a 28 ans. Peut-être que c'est toi aussi le problème, hein, monsieur. Pas forcément ta copine. Hein. Parfois, on pointe vers l'autre, mais peut-être que c'est toi. Peut-être que tu ne l'attires pas à confiance. Lauriane, mon numéro est dans la bio de TikTok, s'il te plaît. Bon, il faut que j'aille bosser. Je dois faire des lectures. Ok?
Le père de tes enfants pour enlever le mariage. Tu le quittes. Tu es quoi dans la relation, ma chérie? Vous-même là, hein? Tu m'as envoyé un chapeau, c'est Banou. Je vais te lire, Senabou. Tu as les dons de guérison, Senabou. Tu suis là. Tu as les dons de guérison. Je crois que tu dois aussi avoir beaucoup d'attaques mentales. Tu doutes beaucoup de toi. Énormément. Tu as suivi. Tu doutes beaucoup de toi. Tu as beaucoup de trucs. C'est que quand vous commencez, vous décidez de commencer le travail spirituel sur vous. Allez-y à fond, en fait. Parce que beaucoup de personnes... Ah, tu masses les gens. D'accord. Oui, tu as les dons de guérison. Regarde la carte qui est sortie. Le guérisseur avec les mains. Tu vois. C'est ça qui était sorti pour toi. Le guérisseur. Mais tu doutes beaucoup de toi. Tu doutes. Il faut beaucoup travailler sur toi. Tu vois que tu as commencé à travailler sur les gens, mais tu n'as pas fait de travail sur toi. Ah, tu as commencé il y a 2 mois. C'est encore nouveau. Oui, c'est pour ça. Le tout, ce n'est pas savoir le courir pour aller faire. MJ, parfois le mal de tête, c'est parfois c'est un couronnement. Parfois, tu as des pouvoirs qui arrivent. Parfois, le mal de tête, c'est ça. Tu as suivi. Qui a dit que le spirituel est violent d'abord? Urich, tu n'es pas résiliente. Tu abandonnes vite, Urich. Ça, c'est une malédiction générationnelle. Ça vient de ta famille. Tu aimes ton copain et tu veux qu'il soit attiré par toi. Faut le laisser. Faut le laisser, ma chérie. Faut pas aller taper dans les magies bizarres parce que tu veux que l'homme t'aime. Peut-être que c'est pour ton bien qu'il n'est pas amoureux de toi. Bon, je dois y aller. Je sens que je dois y aller.